pays d'Haïti, même si ou mourir ou pas fouti reposer en paix. Nous font directeur cimetière Port-au-Prince là a expliquer qui calamité moi a passé en bas même assisi ensemble avec femme k'ap vann koyo. Moi yo pas fouti reposer en paix. Débarqué dans cimetière, vin coucher yon ak l'autre, vin fè alsis. Eh bien, directeur qui senti moi yo dérangé par rapport avec action sa yo chrétien vivant a posé. Li obligé camper devant cimetière ensemble avec rigoise li nan menl. Jeune garçon à jeune femme k'ap sorti, c'est rigoise pou yo pour voir comment moi yo te karalon souffre en bas mais chrétien vivant yo. Ou pral tan de déclaration la. Nomination juge Bernard Seville dans tête tribunal premier instance Port-au-Prince déjà commencé soulever contestation. C'est qu'à dirigeant BAIA, maître Mario Joseph, qui fait qu'on est, c'est un job sale doyen vin continuer faire pour régime PHTK pour bloquer dossier enquête sous Petro-Caribe ensemble avec dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dirigeant bureau avocat international là, pas de mettre de l'eau dans la bouche li pour le dénoncer communauté internationale là qui a appuyé gouvernement dans dossier référendum nan, sans participation population. Comportement ça montre clair, Nations Unies voulait assassiner état de droit dans le pays d'Haïti. Occasion pour défense droit moun nan lancer un appel bay population pour le caler gel, pour le pas prendre un coup pasteur Grégory Toussaint international là voulait imposer nation comme président. Maître Joseph reconnaître il y a besoin yon leader neuf, mais c'est yon leader qui pa gen aucun grain en no kay offève. Patisan ancien président Jovenel Moïse yo apparaît pour mobiliser contre gouvernement 20 juillet kap vini la, kap marqué de l'année depuis chef gouvernement Ariel Henry ap mené bak peyi a. Militant yo estime li pas normal pour premier ministre là nan tête gouvernement alors que non le cité nan assassinat président Jovenel Moïse. 14 août kap vini la ap marqué de l'année commémoration des terres qui te pote aller la vie des centaines de citoyens dans site pays ya dans occasion ça yo mes action de grâce prévoit chanter ak yo marche la chandelle prévoit organiser pour marquer date ça sous initiative ministère éducation nationale ak formation professionnelle yon atelier sous stratégie pour appliquer décret 15 janvier 2021 pour intégrer éducation environnement dans système éducation haïtien. Démarré jeudi 13 là, représentant UNESCO dans le pays d'Haïti, Tatiana Vilgas te présent dans l'occasion li di li important pour Timoun yo jwenn bon genre formation sous environnement. Ça qui d'après lui a aidé au faire face ensemble avec catastrophe naturelle et puis protéger environnement. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault Zami InfoPaw Accéver qui a présenté édition ça. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuyé. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami Pau Foucault. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable avancer. Zami Pau Foucault. Jean Kemte annoncé ou mesdames, mademoiselles et messieurs, dans pays d'Haïti ou mourir ou pas fouti reposer en paix. Eh bien, gagné directeur cimetière Port-au-Prince là. Kap explique ki kalamite moyo a passé en bas masisi ensemble avec femme kap van koyo nan grand cimetière Port-au-Prince. Yo empêche moyo repose en paix tellement yo a fait alisis toute la sainte journée. Donc directeur qui estime ça c'est un dérespectant, ça son mauvais image messieurs dames yo vle van nan cimetière parce que gen ti moun ki enterre tout nan cimetière, ça pas bon pour moyo. Eh bien, peuple haïtien, il était obligé de camper devant le cimetière, ensemble avec Rigoise Namel, pour la frette jeune femme et jeune garçon qui a fait craie en dedans cimetière, en outre des déclarations.
Depuis que je prends le cimetière, tu as des zones en dedans. Même pas de cas contrôler des zones là, parce qu'on est là, fait qu'on boit. Je vais aller 3 ans là, mettre un petit à terre pour me contrôler le cimetière. Mais les gens qui ont contrôlé le cimetière dans le plat même, les gens qui ont sur la quête massissi, bousin, qui ont dégagé en dedans, l'image n'est pas bonne pour la société, même pour le monde là. Et voilà, non pas qu'à dire pour la société, l'image n'est pas bonne pour la société. Pour la société, moi. Non, image là pas bon. Ou pas qu'à mourir mes amis et puis ou coucher en côté pour obtenir hi hi toute la sainte journée. Non, li pas bon pour société moyo dans pays d'Haïti et pour le monde des mortou. Effectivement, on avance direct. Et ensuite tout pour paquet pas bon. Si vous les têtes nian, al dormi en dans cimetière, c'est si matin. Ça veut dire allez qu'il est nous pas paix mon. Avait dit haïtien tellement habitué ensemble avec Mokounia, avait dit nèg voler tête al chemise. Nèg voler tête mi al dormi en dans cimetière. C'est quoi l'histoire? Adje. L'Olivier ou nèg yo apparaît beaucoup temps bas au li bassin Simbi. C'est là al bain toilette devant bouche carou moun yo. Oh oh. Est-ce qu'on a décosé? Ça veut dire pour coucher en dans un cimetière ou après reposer ou après un centre pour les hommes? Hey! Non, 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 non! Un monde qui a été enterré dans le grand cimetière Port-au-Prince, est-ce qu'on a un monde n'a pas qu'à reposer en paix, non? Pour une critique là, venir pour direction. Depuis samedi, met ton mouvement de chouquer bousin, de chouquer massissi, de chouquer vagabond. Si on moun a pas entré dedans, faut dire qu'il soit pas le fait. Si mystique là, d'accord. Si ton père pas chanter ton libéra, d'accord. Si dans le cette douleur, vous pouvez aller, d'accord. Si ton mouki va visiter Kavol tout, d'accord. Ça veut dire, met ton principe en dans cimetière, n'importe moun baka à l'entrée. Effectivement, c'est très bien. C'est très bien direct. On avance. Ou nous avons une machine à camper de yoa. Mon nan ken bon bouke fè nan men an tout c'est la moun pral fè ménage li. C'est quoi l'histoire dans le pays? Ça qui ça? Eh ben grand cimetière son hôtel. Avec du machine camper de yoa. Ou mon nan descend an bouke fè nan men ou passe se fè pral déposer. Pour moi, et pour t'en mentir, c'est l'amour pour le faire ménage là-dedans. Hey! C'est ça, bien aimé. Est-ce que ouais? Avec dit même sous mourir, qui des bagailles, ouap, ouais, oui. Ou mourir, oui, ouap, ouais. Les hommes bafoutis qui t'ont reposé en paix dans le pays ici là. Ou bien, tout le monde doit des garçons entrés, c'est des masses ici, c'est l'amour pour le faire dedans. Mais, l'homme vient découvrir le mouvement ça, kounya, pour entrer dans ce métier, il faut dire. Directeur qui sont pas réglés. Pas même et mettre sécurité au, en action. Moi-même, même depuis matin à Suzé, pour me camper devant barrière, en une place qui est dans même, faut dire qu'ils sont pas le faire. Pas pour violence, ni battre mon dans mauvaises conditions, ni casser tête monde. Même mettre en principe, côté que si maestre attendait, la félicité travail là, et ça que mettez la presse au courant pour la presse faire passer les messages là. Vous savez qui ça au fond dedans? Yo macha capote yo fin dégager yo la ge capote de bouche ka vo moun nan tout. Ta desse non pays avec di yo macha capote yo fin distrait yo et après yo fin distrait yo voye nan figimo yo. Est-ce qu'on va décoser? Non, moi même mais même en province la kay mwen lèm mouri s'il vous plaît à l'enterrer là ay lam ka repose en paix avec yo fin distrait yo fin douce ko yo. Et puis, vous voyez, elle a un figu moyo. Yo sans respect pour moyo. Moi, yo pas foutu reposer en paix, vrai. Fais en dedans. Fais bataille, goumen, vieux tourner après les sécurités, directeur pour te plaît. M'pas dit, hein, m'pas un coup pour yo. A mes couas, c'est couas depuis samedi. M'a commencé à développer couas. Couas pour mon entrée en dedans, pour dire que je vais le faire. Et mon guide, on domine un cabot, mais tout le monde est honnête. Et l'église, cette douleur, c'est lundi de fonctionner. C'est jeudi, c'est samedi. Depuis l'église a fait, mais quand je conseille de me guider devant l'église à cap la prière pour y'a me défendre ça, tant que j'ai dit à la, et
mon yo libre pour aller prier, mais depuis que ça fait mettre tout aller au camp devant Ouazamon. Oui. Depuis mon fin du mec qui s'en va le fendant ou qui est rentré. Est-ce que ça suffit pour contrôler exactement action mon va le fendant ce dire? Oui, on est contrôlé pour qui ça? Barrière du Valier, m'était ouvert pour nous, mon condamné. Barrière l'église là en face cette douleur. On fait père à bon clé ça. Elle dit joue jeune là. M'baille au clé pour servir d'entrée pour s'y faire mes pour l'entrée. Mais pour y avoir une seule barrière qui ouvre, c'est barrière principale là, m'campé là. Ça veut dire, ça qui arrive, on moun volo tête mi l'entrée dedans, et dit m'en contre avance volo. Okay. Parce que si barrière d'Ivali a condamné, barrière l'église a condamné, côté passé. Parce que bien moun yon dedans, parce que l'on dit, il y a des gens qui en bas la caille, qui en bas la caille là-dedans. Il y a des gens qui sont en bas la caille, qui sont en bas la caille, qui sont belle barrière, belle cadre. Égal vagabond lui même depuis l'entrée dedans. Ça veut dire là, yo qu'on entre yo elle vole ça au cimetière tout. Belle cadre, belle barrière, yo démonter yo voler yo. Est-ce qu'on est des en pays ici? Avec du mourir ou pas en sécurité nos frères et sœurs. Hé! Ou mourir ou pas en sécurité dans pays ça non? Femme ou met ton côté yo cadenasser le voler venir racher porte là sous oui. Il fait une femelle par un pour le faire, c'est faire des autres gourmets, batailles. Comment bah, ils sont destinés au Gounia. Alors, vous parlez de mesdames qui sont en dedans, qui dégagent. Est-ce que vous comptez même en dans ce métier, mesdames, vous pouvez faire action ça? Mais exactement. Là, vous entrez, les douces sont bagailles, ils peuvent le faire, ou pas qu'on a quitté l'entrée. Il y a un grand dévoile, la pille de mon carreau, ça a eu les bats de chaque là. Après, il finit, capote ça à terre. C'est ça on découvre, mais qui pas bon pour imaginer le cimetière, parce que le cimetière à son côté, les mots entrer son côté moi à reposer. Est-ce qu'il y a ou qu'a quitté mon avant à faire des choses dedans? Et quand c'est Massissi tout qui prend pose entrant dans son bail ou à régler, le bail de Valia ou fait pas là. Les mots entrant dans moi, on ne pas dire rien, mais pour y mettre tout dehors. Il y a tout comme prétexte, comme si c'est bien le bail de Massissi. Il tout fait l'aile dormi, il a maintenant la plevé pour sortir. Bah, si on coupe, il y a. Pas de porte de sortie, pas de porte pour entrer pour pas, ouais, pour entrer, c'est la barrière principale là, pour sortir la barrière principale là. Et si on n'a pas entré, tout le monde ne peut pas entrer. On va oublier qu'il y a des âmes pour me tirer ou me casser tout. Depuis que je suis même, depuis que je voulais faire des zones, je ne passe pas de l'Iguaz, je ne fais ni en chimère, je ne fais ni comme si à aucun, parce que depuis que je suis bonjour directeur, je dis bonjour. Et sans dans ma voiture, ok. Ça veut dire là, ou obligé prendre chaise ou chita devant cimetière pour surveiller les morts. Pour surveiller les morts. Pour moun pas rentrer à le faire à l'assise, à le faire vieux sac brigand, d'aille bon côté mort. Vous comprenez? Un gros travail ou à faire, oui, directeur. Qui sont pour le faire? Bon, je vais aller devant Baron. Là, je ne vais pas bloquer. Mais, il faut que c'est devant Baron. Ok, bonjour, directeur. Bonjour, madame. Je vais aller dans le jeune, je ne vais pas bloquer. Ou bien, je vais chanter un messe. Vous ne pas chanter un messe? Ou est café à tout n'amène, ou est maïgri n'amène. C'est normal. Si mon entour son gang ou son maçon l'oeil, ou tout est maïgri n'amène. Mais vagabond, tu as fait dans là où tu es là, on diète, ou elle sale, ou bien elle sapate dans le pied, mon monde s'en va rentrer. Je vais mettre ça et bailler pour péter carreau, viens toi et carreau, peintirer. Parce que l'homme est dans le carreau, mon n'a pas fini, c'est quoi à caler, mais l'esprit est toujours là. Elle dit, l'esprit ça a bloqué, ou même dans le travail, ou faire. Il a mis division dans le carreau, même moi dans mon film, marié, dit, pas dans mon Dieu. Depuis c'est dans mes cycles, tout le monde connaît ça. Mes cycles, son pouvoir et pouvoir bon Dieu a plus. Mais parfois, il y a des gens qui viennent enterrer mon nom. Les dix mondes ça mourir, mourir net. Il n'est pas comme ça. Parfois, il doit avoir service au mari, c'est moi. Et m'a tout compris parce qu'en dedans, tout le monde qui vient chanter libéral, qui vient chanter messe, il y a des gens qui vont faire porter dans le caveau, oser. Il dit moi, c'est ça. Il m'a dit de vous parler l'évangile. Ok, c'est le message que je vais passer pour vous. Et nom, c'est Raymond Valsin du test. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou ka comprendre comment la situation est compliquée dans le cimetière Port-au-Prince. Donc, moun mouri ou pas en sécurité, ou mouri ou pas fouti reposer en paix vraiment, parce que chrétien vivant, pas ba ou chance. Partisan ancien président Jovenel Moïse prend engagement pour y aller bataille contre premier ministre Ariel Henry qui impliqué dans l'assassinat ancien président.
Rosemont Jean, coordonnateur général Fonds National, organisation pour yon Haïti stable et démocratique, annonce yon mouvement levé campé contre gouvernement 20 juillet kap vini la dans occasion de l'année gouvernance Ariel Henry. Li pa normal pour Ariel Henry nan tête pays ya pendant non le cité nan assassinat président Jovenel Moïse. An koute Rosemont Jean qui te nan micro TAC 509. Dans tous les pays du monde, depuis akize yon nom d'assassin. S'il te non poste pour contre l'ap démissionné. M'a besoin de ou, yon nom qui inculpé. Nous gagnons DCPJ à travers enquête technique scientifique qu'elle mène. Li rivle établi clairement que M. Ariel Henry participe dans tout yé Jovenel Moïse. Nous gagnons aux États-Unis, yon ta parlé de procureur, mais en Haïti, nous gagnons commissaire gouvernement. Nous gagnons commissaire gouvernement. Si c'était M. Belfort Claude, à travers yon réquisitoire supplétif qu'il fait, en dehors des réquisitoires d'informer pour moun ki gen langage juridique, li fait yon premier réquisitoire informé, li saisi cabinet d'instruction sous assassinat Jovenel Moïse. Ki moun li prend, li inculpé Ariel Henry. Li refait yon sa yorele, yon réquisitoire supplétif. Li voye bay commissaire gouvernement, li dit, li raffirme de informations gagnant. Li confirmer informations gagnant que monsieur Ariel Henry était en communication avec Félix Badiou qui c'est une suspect important assassinat Jovenel Moïse. De ce fait, deux ans après, les Ariel tap monté, nous pas de dénoncer Ariel, nous pas de dire l'assassin, c'est normal. Ariel t'est installé comme premier ministre. Mais par la suite, avec ensemble d'informations que la presse, que institution disposait, nous pensons li pas normal en plein 21e siècle pour nous tous d'accord que gon assassin qui nan tête yon l'état qui nan tête yon gouvernement et gen contrôle sa rele pouvoir sous ça nous rele la légitime violence ou bien légitime de la violence. Li gen mise sous la police, li gen mise sous commissaire gouvernement, li gen mise sous ministère de la justice, c'est li kap nomme juge, c'est li kap nomme commissaire gouvernement, c'est li kap baye la police l'ordre. Nous pas accepter dans tête pays pour son criminel kap dirige pays. Et c'est peut-être ça manifestation 20 juillet a n'a mette avec tout monde pour que nous permettre le monde entier pour nous signifier la CARICOM qui a renforcé Ariel Henry, pardon, qui a renforcé Ariel Henry comme assassin, pour nous signifier à l'organisation de l'OEA, qui est l'organisation hémisphérique dans les Caraïbes et Amérique latine. Ensuite, pour nous signifier l'organisation mondiale, ça, qui est l'ONU, qui a gagné lui-même à travers le Conseil de sécurité, qui a créé Bureau intégré Nations Unies pour partager gouvernement avec Jovenel Moïse que yo pral assassiner la namen, et bien qui jodi a k'ap invité Ariel a sorti a planer a voler tant qu'un oiseau alors que tout moun konnen de moun nèg gen soupçon d'assassinat sous dos ou fait pour mettre à la disposition de la justice pour que justice tende ou. Et bien c'est peut-être ça deux ans nous rend compte gon bing bang jugement Jovenel Moïse là badé comprenez il a badé dans jugement Jovenel Moïse. Eh bien c'est peut-être ça après deux ans pas gagné aucune ordonnance et juge d'instruction qui a mené enquête sur Jovenel Moïse là après deux ans juste pendant ma parole avec moi pas gagné un monde que juge d'instruction inculpé et c'est peut-être ça n'a prend la rue le 20 pour nous continuer pour nous dire nous pas perdre Jovenel Moïse je nous perdre là pour nous pas joindre justice pour lui pour nous pas joindre réparation pour madame ma petite. Merci. Eh bien n'a continuer avec mobilisation et c'est peut-être ça nous annoncer nous en pour parler avec un ensemble d'organisation pour que le 20 juillet cap venir n'a gain plusieurs manifestations cap dans l'arrière nous même brèche pas nous même n'a rassembler en bas lumière la lue. Gen l'autre kap sorti du côté pèlerin. Gen l'autre kap sorti gen kap rassemblé champ de mars. Gen tout kap rassemblé en bas kafou pont viaduc kafou aéroport kafou madichon. Et faut que nous prenions initiative, n'a réfléchi pour nous connaître est-ce que nous va pétirer parce que tout autant signe madichon ça qui est en bas viaduc là l'a toujours fait sous pays.
parce que nous disons c'est une date madichon moun sa ou t'a rassemblé que des si Jovenel parler y a mouri. Est-ce que jodi a moun qui dit ça, est-ce que y a vive, est-ce que population a vive? N'a bataille, nous pral bataille contre Ariel. Pour qui ça nous pral bataille contre Ariel? Nous pral goumer contre Ariel parce qu'il gagne 2 ans au pouvoir. Mais nous pral goumer, tendez bien messieurs dames. Gen des institutions prestigieuses dans pays a, gen des institutions républicaines pays a qui dit yo gen confirmation, yo gen conviction, yo gen certitude que gen yon homme qui rele Ariel Henry qui participe dans yon crime. Yon l'autre bord, mesdames, mademoiselles et messieurs, Rosemont Jean critiquait yon série ministre ak directeur général qui était dans l'administration Jovenel Moïse, qui pas jamais prend aucune initiative pour joindre justice pour ancien président. Militant politique la qualifié au de traite, personnalité sa yo, entendez Rosemont Jean pour yon deuxième fois. 13 juillet 2023, pour nous saluer courage chaque militant. N'a posé une question publiquement avec un ensemble de directeurs généraux, des ministres, des anciens ministres, de secrétaires d'État, délégués départementaux. Ça, Jovenel, te gavé nous. Pour qui ça, jodi, y a des gens qui n'ont pas gagné, presque, qui n'ont pas joué de Jovenel Moïse, qui seulement manifesté affection, qui seulement fait résistance pour demander justice pour Jovenel Moïse. Est-ce que si tout le monde sait, qui est directeur général, tout le monde sait, qui. Bon, l'homme pour nous être un Jid Charles Faustin, qui était en barrière dans primati. Charles Faustin, qui sort dit Ariel? Assassin. On me pose une question. Charles Faustin, Jid Charles Faustin, moi, je connais Jovenel Sotavo, je connais côté le prend. Je connais comment il travaille dans le cadre pour le faire route avant, pour le mener, lui mettre au secrétaire général primati. Pour ça, pour que je me déconne avec tapis milieu, ça me connaît à peine faire. Jovenel prend, il valorise, il mène là. Qui sort dit Ariel Henry pour être en bas Ariel Henry? Jude Charles Faustin. Il est un coup brave. Brave, ministre finance. On est un coup Ignace Saint-Fleur, directeur BMPAD. Pour que je me connaisse, moi-même avec ça, je me dis, ça me fait. Comment senti aujourd'hui, bataille a fait pour Jovenel Moïse, pour moi, pour pas quitter Ariel Koné, pour pas même au monde, ou t'es fait en cachette pour mon numéro, déposer un j'aime fleur en cachette pour Jovenel Moïse. Eh bien, m'a dit nous, on bagaille, ou est traite. Si on est volé, pardonnez-le. Mais si vous découvrez un nègre dans le temps, c'est très lié. Surtout yel. Surtout yel. L'éternel par mando. Regardez. Depuis traite, depuis qu'il dit l'éternel des armées, ou tout le monde, c'est pour traite ou tout yel, il dit ça, il ne pas même mal tout ça. Parce que Jésus connaît sa traite. Il connaît qui conséquence, qui sa traite fait le subi. À la traque pour la vécaïté, papa. Bon, nous comprenons, chien qui genzo, pas jappé. Bertha Joseph, responsable mouvement Jovenelis Haïti, remercie Silayo qui te répond présent dans manifestation qui te organisé 7 juillet qui saute passé à là. Bertha Joseph, mande collaboration tout secteur pour journée mobilisation 20 juillet cap vini là pour que li capable réussir. Pendant appuyé sans réserve toute initiative qu'a prend pour permettre ancien président Jovenel Moïse joindre justice. En outadel dans micro tax 609. Nous remercions toute organisation, citoyen, citoyenne, qui a contribué pour rendre commémoration, deuxième commémoration, la mort président Jovenel Moïse là, possible. Team Jovenel Moïse, Bazarab, Pronof, MJH, ak en pilote. Ça fait 2 années, nous dit, pèlerin, pape, passé inaperçu. En pile secteur, te mette ak nous pour réaliser défilé moto, cérémonie vodou, témoignage, animation culturelle, veillé, en pile geste l'amour te marqué joie, en pile bougie te limen, jeb fle, ak admiration pour artiste kap travail portrait président, ak l'autre slogan qui attire commentaire. En pile moun nan tout secteur te passé et souhaité l'autre année kap vini an pi grandiose. En pile proposition fait tankou changer
Pèlerin 5 en zone touristique. Ça que nous déjà commencé. Nous pour quartier tout n'est prêté propre, historique. Nous même même organisation et population n'a continué sans garder derrière. Nous paré pour nous embellir zone, peinturer li, asphalter, design li pour nous citer ça seulement. Toute initiative qu'a prend pour exiger justice pour président Jovenel Moïse tant qu'au tribunal pénal international pour enquêter sous assassinat là marche qu'a fait le 20 juillet à l'autre nous cementer 77 fois 7 fois nous pas jamais lagué et trahi équipe famille à tout le monde qui a cherché justice pour président Jovenel Moïse. Rendez-vous cassé le 20 juillet, nous prenons pile béton. Tribunal pénal international. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, organes, mobilisation nationale, c'est nos nouveaux outils politiques qui fait lancement officiel, le jeudi 13 là. Mission stricte ça, c'est pour réfléchir sous différentes façons yo pral mobiliser contre gouvernement. Serge Jean-Louis, yon nan responsable stricte ça, renouveler engagement pour continuer bataille pour permettre pays à sortir dans situation trouvé le journée jodi a. Serge Jean-Louis, t'es parlé dans micro TAC 509. Dénoncer une décision premier ministre Ariel Henry prend dans dernier sommet. Trinidad et Tobago, côté, bon, en tant que jouer entre tout pays caraïbéen, pour qu'on accord qui joint faciliter voyage entre citoyens et citoyennes de tout pays membre et CARICOM. Dans l'Assemblée, tout pays est d'accord pour citoyens échanger entre eux-mêmes, voyager en tant que pays à l'autre, sans yon pas besoin de visa. Tant que ça passe dans tout pays de l'Union européenne, tant que ça passe dans un paquet de pays en Afrique, premier ministre Ariel Henry, dans la décision, il dit Haïti pour au prêt pour l'entrer dans la démarche, ça, condition yon pas pour remplir. Bon, t'es quoi Ariel dit comme ça, il pas de chambre dit bagaille comme ça. Ariel dit il pas de chambre dit bagaille comme ça, c'est pas lui qui fait ou pas après Haïti, non. Il pas de chambre dit bagaille comme ça dans la ville. Nous estimons son bagaille grave qui arrive là. Donc pour tester contre lui, nous dénoncer et nous qualifier premier ministre là, son premier ministre, c'est un traître à la patrie. Et m'pral dit non, des bagailles. Oui, c'est un conseil bien évidemment. Un premier ministre actuellement, j'en ai des conditions que nous connaissons, soit une légitimité de bagarre. Mais c'est lui là pour défendre l'intérêt supérieur du pays. Et puis, qu'on y a, il prend une décision ça. Monsieur dit Haïti pour remplir les conditions pour l'entrer dans le bagarre ça. Et ça, c'est plus grave là. Son ministre des Affaires étrangères, qui sortit une note, comme qui dirait, pour le démotiver là, notre mission a confirmé. Décision premier ministre là prend. Pour aller dire des bagages. Par contre, si nous connaissons déjà, alors, si nous regardons le passeport, ça y est. Nouveau passeport, c'est des passeports qui marquent communauté caraïbéenne. Ça veut dire que nous avons des marches là déjà. C'est ça. Ils ont péché. Les pays ici ont bénéficié de ces privilèges. Regardez l'ancien passeport, vous voyez. Non, c'est passeport République d'Haïti. Donc, passeport ça, c'est passeport communauté caraïbienne. À la traque pour la vécaïté dans le pays ici là. Dirigeant organe mobilisation nationale, Serge. Organe mobilisation nationale là apparaît pour fouler béton 20 juillet qui a vini là qui a marqué de l'année Ariel Henry dans tête pays à Didier Benel youn parmi dirigeant strict ça critique chef gouvernement qui pas fait rien pour améliorer condition population pendant de l'année au contraire problème pays a vini pi
empiré sous régime si là. Didier Benel, t'es parlé dans micro tac 509. C'est le bon nous m'a précisé encore depuis 1930 à 2017. Quel qu'en soit le monde qui vient là, comme président, s'il passe aussi dans l'élection, il sorti dans une institution. Soit élection ou institution. Je dis, nous tous nous connaissons que, à partir des gouvernements qui sont en place là, que nous disons groupe terroriste, qui a terrorisé la population, en dehors des taxes légales que les citoyens ont pour payer, soit me descendre DGI, malé la mairie ou ensemble de côté qui ont taxes légales mal payées. Mais groupe criminel ça, yo fini par mettre un ensemble de postes sous pourcentage que y a gagné dans mes nèg armé yo dans la rue dans zone côté au métel yo. Quel qu'on soit côté un citoyen pour aller ou yo faut payer droit de passage. Et bien groupe terroriste ça, il pas fini, il pas campé là. Nous tous nous connaissons un ensemble de massacres pendant 24 mois. C'est une bagarre qui me dit et faut qu'on a laissé regarder Haïti pendant 24 mois de gouvernance Ariel Henry a gagné plus victimes que des pays qui étaient participés ni dans première et ni deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire Haïti plus victime qu'un ensemble de pays qui étaient participés dans ni première et ni deuxième guerre mondiale. Nous tous nous connaissons quantité de kidnapping qu'a fait dans la rue. Nous tous nous connaissons d'après rapport et Nations Unies qui quantité citoyens et familles qui quittent la CAIO à partir du premier trimestre année 2023. Parce que vous avez dit 600 000 familles. Lorsque vous avez 600 000 familles, vous avez une moyenne, pas 4 personnes par famille, vous avez regardé ou bien environ 2 400 personnes qui quittent la CAIO depuis le premier trimestre année 2023, côté que les bandits mettent au dehors. Sans nous pas même besoin de contrôler la quantité de personnes qui ont dit qui massacrent, qui ont boulé dans la rue. Et je dis, nous même au niveau organes de mobilisation, c'est ça que fait. On a demandé avec la population haïtienne. Non. Et à l'heure, camarade Serge, saute montrer nous. Qui différence qui gagne entre nouveau passeport avec ancien passeport que nous avons gagné. Et je dis après chance ça, que ensemble de monde est capable de joindre, même si marchand yo qui ont privilège que vous êtes venu retirer dans mes yeux, elle dit sans visa. Depuis qu'on a un passeport dans mon ensemble de côté que là dans Caraïbes là où tu ca aller. Et ben préciser pour nous. CARICOM gagne 15 pays là-dedans. 14 pays, oui, d'accord, seulement Haïti qui parle là-dedans. 15 pays dans CARICOM, seul Haïti qui dehors là-dedans comme 15e pays. Et c'est premier ministre Ariel Henry qui retire Haïti là-dedans. Pour qui ça? Il dit Haïti pas réuni condition. Pendant 24 mois, on est là, c'est lui-même qui a fait gestion pays. Là. Même là, nous tous connaissons une gestion catastrophique, mais c'est lui-même encore qui a le campé devant la communauté caribéenne pour lui dire que Haïti. Pour le moment, ça, Haïti n'a pas qu'à participer à nos programmes comme ça. Pour qui ça? Parce que il y a un problème d'insécurité dans le pays d'Haïti. Il y a un problème de turbulence politique dans le pays d'Haïti. Eh bien, ça finit que nous-mêmes pour nous dire que aujourd'hui, ce sont ensemble de théories, je dis là, ce sont ensemble de voyous avec délinquants. Que nous-mêmes nous remettons avenir nous, avenir famille nous, avenir amis nous, avenir petite nous. Je dis, qui tous les journalistes dans quel qu'on soit secteur côté, et nous connaissons. Il y a plus de journalistes qui sont victimes pendant 24 mois qui ont fait une guerre anti-Ukraine avec la Russie. Ça veut dire que aujourd'hui, nous-mêmes, quel que soit le secteur courrier, 24 juillet, c'est le meilleur moment. 20 juillet, c'est le meilleur moment, donc c'est le meilleur jour pour nous tous aller pendant 24 mois ça, sans nous pas contrôler la quantité de massacres qui fait dans le pays d'Haïti. Sans nous pas contrôler la quantité de journalistes qui ont assassiné. Sans nous pas contrôler la quantité de police qui ont assassiné. Sans nous pas contrôler la quantité de monde qui Ariel jodi a écrasé toute entreprise. Entreprise qui pas fermé yo, yo réduit personnel yo à 10-15%. Ça veut dire que monde qui t'a travaillé yo, jodi a majorité là de yo pas travail. Dans marché criminel que l'état ça pendant 24 mois organisé sur territoire, yo n'a quitté gon petite machine, l'écrasé dans gaz là. Et jodi a nous tout connaît baril pétrole là qui t'a vendu à $175 sur marché international là. Jodi a li descend à $64-$60 sur marché là. Et jodi a l'État haïtien lui-même qui te monte gaz, li. Mais au te jusqu'à présent, qui est le même genre. Et au te dit, nous, yo pral monte gaz là, c'est pour yo te faire l'hôpital, pour yo te faire l'école, pour yo te faire ensemble de bagayans dans le pays. Jusqu'à présent, personne pas kawe qui côté l'État a fait même yon marche escalier. La rue a sale, tout côté c'est insécurité, la police pas renforcée, l'armée pas gagne, rien que l'État fait. Pour me finir,
m'a dit nous pendant 24 mois Ariel gagné plus passé 3 budgets qui passent dans mail dans 3 budgets il gagné plus passé 494 milliards de gouttes dans mail. Il pas payé employé l'état, il pas payé même institution qui gagne contrat avec l'état. Moi quoi que je dis responsabilité nous comme citoyens, c'est lever pour nous camper, pour nous démasquer l'équipe ça qui là. C'est prendre responsabilité nous. Parce que je dis toujours, l'on groupe de moun vient à la dirigeo, ils font bonne gouvernance, la bonne ni pour moi ni pour vous, pour génération nous. Ils font échec là pour nous, tout qui vivent dans la société, ils prennent le même répéter sous petit nous qui viennent après. Merci. Groupe signaté à Montana, yo, gros Sam, mandé Premier ministre Ariel Henry pour prendre toute disposition nécessaire pour appliquer l'accord 21 décembre, ça qui d'après yo pral permettre population à aller en souffle. Youn nan mam gros man yo qui c'est Ilnoz Dorvilier. Encourager chef gouvernement pour le travail dans tête collée ensemble avec membre au conseil transition yo pour capable mettre campagne au conseil électoral provisoire pour faciliter bon gens élection organisée dans pays ya en coutel dans micro tax 509 les nous regarder détérioration population nous senti nous pas arrêter bois croisé en tant que estricti qui représentait peuple haïtien non ça veut dire misère peuple là pas capable concerner nous gros ça me saute faire une tournée dans pays ya mes amis c'est réel peuple là lagué aux abois pour contre gen zone même glo peuple pas capable joindre pour le bois pas besoin dit nous pour faire manger gros ça m'a adressé directement avec PM Ariel Henry et membre HCTO pour nous faire connaître peuple là pas attendre encore gros ça mandé applique 21 décembre, pressé, qui prévra organe contrôle là, KEPA, et puis remaniement ministériel. Gossam, si un accord 21 décembre, c'était un souci pour le peuple à Karale Yonsou. C'est ça qui fait nous exiger application 21 décembre, pressé. Réchaud division pas qu'à bouillir chaudière démocratie. Nous, Gossam, qui c'est pays avant tout, nous plus fort, nous plus. C'est dans ce sens ça, nous t'es signé encore 21 décembre non, en bloc pour te bailler pays à une autre direction. Gossam a demandé PM Ariel Henry avec moi acheté pour responsabilité nous. Nous mettez bon gens, KEP, avec moun qui crédit et qui inspire confiance pour arriver organiser bon gens élection. Nous demandé PM Ariel Henry prendre décision pour freiner machine et sécurité pour tout le monde capable de circuler dans le pays. Libre et libre. N'a profité voyer pingasa bay tout zagoloray tout plimay qui comprend yo ka prend ou libre sous do gosam sous prétexte que nous divisé. Eh bien jodi a n'a dit gosam ini et nous pas autorisé personne moun prend la parole ni négocier nan non nous sans autorisation nous vrai petite gosam porte parole gosam nan qui c'est François Dieu béni sous bo parle encourager yon chita parler nan mitan tout secteur nan pays a pour river joindre yon consensus pour résoudre crise là. Monsieur François qui dénonçait pratique tirer pied pas ou ben mettre pied pas nan mandé acteurs politiques yo prend toute disposition pour résoudre crise là pendant le plaider en faveur yon force militaire étranger pour venir aider PNH la résoudre phénomène insécurité a. François Dieu béni te parler dans micro tax 509. Li possible pour yon force intervention sous sol là parce que jodi an pays an pas capable avec insécurité ça. Et n'a mandé avec pays qui gen droit de veto yo tant que là aussi la Chine pour quitter Nations Unies agit parce que jodi an tout moun k'ap jwenn se nationaliste yo pire mes pays an passé et pas solan petit yo ak madame yo a vivre à l'étranger c'est ak l'argent blanc yo fait élection et puis yo se nationaliste yo pa vle yon force entrer dans pays an comment moun la saline moun solino moun kafoufey moun belè a fè sou la kayo à chaque fois on dit qu'on force intervention yo fè on la paix ça veut dire patron gang yo dit gang yo font la paix après 3 mois force la pa vini gang yo recommencé pour la plus belle encore jodi an dans gosam nous quoi son seul moyen pour payer a sorti dans salier c'est non consensus largement large. C'est pour ça n'a demandé PM Ariel pour le prendre bâton pèlerinage pour le rencontrer avec même accord 21 décembre ni 11 septembre ni l'autre même monde qui passe un accord yo parce que jodi pour nous ce pays c'est non consensus largement large pour le pays arriver doté d'un conseil électoral provisoire et doté d'un nouvel chef d'état c'est seul moyen pour nous ce pays a pas qu'à prendre transition encore si nous dit accord 21 décembre pour l'appliquer pendant HCTA il manque monde là-dedans c'est pour ça que nous même dans gros ça encore faut que PM Ariel rencontre avec l'autre secteur politique en dans pays a pour capable joindre consensus nos besoins consensus ça c'est pas Ariel qui va le joindre c'est pas ni accord 21 décembre c'est pas ni Gossam et pas ni 11 septembre c'est l'autre secteur qui passe un accord pour rejoindre son seul table non seul intérêt qui c'est Haïti d'abord jodi à l'école la fermé il va le réouvrir après 3 mois nous va commencer à l'école et puis on le groupe n'est pas faire manifestation dit pas possible pour gagner élection parce que pas de consensus si il y a consensus l'aigle prend la rue peuple a pas battre mais si pas consensus c'est moins 21 décembre c'est ou même 11 septembre qui joindre avec Ariel pas qu'à changement sans
l'autre secteur. Et changement n'a demandé dans gouvernement pas qu'à gagner ensemble sans l'autre secteur. Dirigeant bureau avocat international yo dénoncé communauté internationale là pour faire référendum sans participation population. Comportement ça montre clair Nations Unies veulent assassiner état de droit dans pays d'Haïti. Gayon procédé qui tracé pour fête qui doit respecter d'après Maître Mario qui t'est parlé dans micro tax 609. Cherchons notre alternative. Oui. BAI constate Nations Unies a fait une série de démarches pour assassiner l'état de droit en Haïti. Là, il a programmé, il est d'accord, il a avalisé pour mettre sous pied une constitution sans participation du peuple haïtien. Dans un côté, dans un pays qui m'a réuni, eh bien, la constitution fait comme ça. Si nous prenons un dernier exemple, Mali, qui se fait, qui a une constitution tout neuf pour l'IA, eh bien, bon procédé. Et qui permettent au peuple à participer et non mettre sous pied la constitution. Nous faisons expérience en Haïti en 1987. Le gouvernement militaire, le GNB, avec Jean Lafi, ils ont pris une précaution pour mettre sous pied une assemblée constituante. Et toute journée, nous avons mettre notre juge à vie, c'est vrai. Peut-être que le monde de la tour centrale était voté, il était oublié par un militaire, il était pour un sous-titre, mais il était là. Il était comme ça. Eh bien, il a fait assemblée, mais qui j'ai fait pour le monde qui est plus jeune. Le gouvernement a choisi des gens qui sont experts, qui connaissent le droit, le droit constitutionnel. Mais tout le temps, il y a l'attitude à département, il y a un département qui votait des voyages de monde et qui sortit de l'élection dans le département pour venir entrer dans le conseil électoral. Ça veut dire que le peuple a participé dans le choix de Mounsayo. Mounsayo, le constitué, il va être le président, soit M. Jonassin. Et bien, il faut faire stage, mais j'en suis plus. Mais Tom, père à son âme, qui était vice-président, assemblée constituante. Et même lui-même tout, il a déplacé à plusieurs côtés, dans plusieurs départements, pour parler avec nous, pour ouais l'idée qui s'est oubliée. Et là, il a fini. Ils remettent le Conseil et National Gouvernement, Constitution, PIA, qui vient toute participation, tout le monde, peuple là-dedans. Et puis, quand on demande au peuple à le voter pour nous dire si nous sommes d'accord, si nous ne sommes pas d'accord. Et ça nous dit le référendum. Et bien, non, c'est ça qui nous donne la constitution. Ça. Je vous dis, PHTK, les États-Unis, ce gouvernement des Nations Unies, a tué, a assassiné, tiré ça à traité. Pour ne pas participer, non, si c'est nécessaire. Je m'a dit, c'est ça, comme moi, je vais faire ça, si c'est nécessaire, je peux t'arrêter le peuple. Donc, nous dit, et même les gens, le ministère t'a tué nous, mais de 10 000, t'a fait 850 000 personnes malades, eh bien, les Nations Unies, eh bien, ils ont fait la choléra, mais ils ont tué tout état de droit. Mais ce qui est plus grave, là, c'est que nous n'avons pas d'opposition. Parti politique, quel que soit côté, c'est pour besoin de pouvoir.
Adje, les Jovenel Moïse tap fait référendum ça. Problème ça te baye? Pour nom Jos seulement aller vote. Oui, ouvre les constitutions changer, non pas vle les changer. Oh, oh. Non, nous pas non référendum. Na boulel! M'songe Lambert. Na boulel! Je n'ai jodi à côté yo. À la traka pour dirigeant vole ça yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a fait au connaît dirigeant bureau international droit, maître Mario Joseph, mandé population pour le calégel, pour le pas prendre un coup pasteur Grégory Toussaint, défenseur droit mounan qui reconnaît pays a besoin yon leader neuf. Fait connaît ces autorités américaines yo cap backup leader religieux pour la gueule nan colette population comme président. À la traka pou avec Haïti dans pays ça mais an nou backup yon tout. A nous backup yon pour nous fourrer dans collecte l'international. Dirigeant BAIA, M. Mario Joseph, proteste contre nomination M. Bernard Saint-Ville, qui reprend tête tribunal première instance Port-au-Prince, d'après lui, c'est job sale doyen vin faire pour bloquer dossier Petro-Caribe avec dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Homme de loi fait qu'on est, doyen pas besoin promotion dans coup d'appel, c'est dans poste ça, li ka servi régime PHTK qui prend en otage pouvoir peuple. Mario Joseph, pour une dernière fois. Mais l'assassiné, il n'est pas là. Il n'est pas fait. Parce que nous, tout avocat apprend dans l'école, le roi de l'assassinat criminel, gardez à qui nous le crime n'en profite. On garde ensemble pour nous à qui nous le crime, l'assassinat journal n'en profite. C'est vrai, il était en sous pression matérielle. Il était temps choisi à Yen. D'où, c'est le pion du PHTK. Ça veut dire que c'est PHTK qui bénéficie. PHTK encore. Josué Pierre-Louis, pour faufiler et en chaque calice, il est entré en Nabal National comme secrétaire. Et nous, on est budget par les nationales là. Il est doublé pendant plus de temps. À qui profite le crime? Nous et tout, bourgeoisie, revendez-la, oligarque qui vient de la parler, nous même tout, il a profité là. Il y a pauvre, il y a tout qui bagaille. À qui profite la vie? Je ne le dis pas, et PHTK occupe tout pouvoir. Pas gagné législatif, c'est vrai. Mais occupé exécutif. Avec nomination Bernard Saint-Ville pour y aller occuper et la justice. Le côté CSPJA dans une mauvaise décision et sous pression du juge et commissaire Caves, parce que c'est même PHTK, je le dis, parce que pour qui ça nous va dans cette pression. Peut-être qu'on leur demande peine à 5 000 pour qu'ils aient un coup d'appel sont promotionnés. Oui, c'est là la vérité. C'est là qu'il a servi, monsieur. Et parce que tout le monde connaît, c'est là Guézo, c'est là tout. Et faire remarquer après, depuis un bon petit temps, tu as eu un petit apaisement et tu as eu un dossier marché en tribunal. Et on parle après, parce que. Job salsa ben à faire, c'est pour bloquer pour ces Petro-Caribe, pour bloquer ça nous relève et procès pour engager une justice. Parce que il prend d'aller prendre une déplacer dossier de ça. Si juge manqué, nous relève Ariel, équipe Ariel, et bien la juge de trop temps dossier à nous même. Même si on te fait 100 000 Gary Aurélien. Donc, c'est simple. Par contre, ça ne va pas là. Donc, et. Nous avons traversé, nous avons rentré dans le pays. La commune Mori bloquée avec diverses barricades depuis plus de 3 jours après ordonnance juge instruction Francisco Mackenzie Beauplan prend qui mandé pour fermer derrière 4 mirailles. Magistrat Élise Blaise, en pile monde connaît sous nom, apote après audition sous acte assassinat qui était fait sous maître André Chaleus 12 avril passé à la. Protestataire qui fait solidarité ensemble avec magistrat. Pas entendre débloquer route nationale numéro 1, tout autant yon pas joindre libération magistrat Blaise, yon dit qu'il tape travail dans intérêt commun.
Pascal Fleuristil a dit nous plus sous dossier ça. Situation compliquée dans la commune Mori depuis mardi 11 juillet passé à tout mouvement ça c'est pour porter solidarité avec magistrat Élise Blaise, juge d'instruction Francisco Mackenzie Beauplan passé l'ordre fermé des 4 Mirailles après audition sous assassinat qui était fait sous maître André Chaléus 12 avril passé à dans zone délégée. Depuis mardi ça toute activité au paralysé, protestataires ont metté barricade diverses qualités sur route là pour exiger libération agent exécutif intérimaire pour eux-mêmes qui arrêté de façon innocente. Protestataires dit au pas bail vague dans mobilisation yo tout autant yo pas joindre libération Élise Blaise pour exprimer solidarité au toujours avec magistrat. Plusieurs dizaines monde te manifesté dans commune nan hier mercredi 12 juillet avec pancarte nan main qui te écrit revendication yo tant qu'ou libérer Élise Blaise. Partisan magistrat fait connait tout autant autorité locale la fermé dans prison route nationale là a toujours bloqué depuis sous pont Mori rivé jusqu'à Pierre Payen. Situation ça qui sur route nationale là depuis environ 3 jours gen gros impact sur transport public là chauffeur camionnette AKE yo qui te kon fè circuit AKE ak Saint-Marc obligé bloqué parce que accès sur route là totalement impossible. N'a fait songer magistrat Élie Blaise c'est dans cabinet d'instruction juge Francisco Beauplan mardi 11 juillet passé à dans cadre enquête juge là a mené sur assassinat maître André Chalise 12 avril dernier qui t'a défendre petit paysan Capiatio dans un conflit. Après audition magistrat instructeur a passé l'ordre fermé prison agent exécutif intérimaire commune Moria depuis arrondissement Akaye. Pascal Fleuristil, TAC 509. Merci Pascal. Gagné nouveau délégué départemental Nord-Est là qui c'est ingénieur Moïse Charles Pierre rencontré dans centre opération d'urgence Nord-Est coude jeudi 13 juillet. Comité communal protection civile for liberté ak plusieurs autres représentants communauté communal protection civile dans département dans l'idée pour informer sous préparation yo au niveau département nord-ouest là pour 6 ou 4 a gagné un dégât qui enregistré pendant période saison cyclonique là. Délégué Moïse Charles Pierre mandé partenaire national ak international yo pour yo collaborer ak direction départementale protection civile nord-ouest et chez Norosni depuis département nord-est pays. C'est une occasion pour que nous capable faire connaissance avec nous des partenaires qui censés à travailler ensemble avec le comité protection civile nord-est. Et nous arrivons dans un moment côté que la saison cyclonique lui-même était déjà démarré. Démarrage est déjà fait à force parce que dès le début nous déjà enregistrer des dégâts avant même que je prenne poste là. Et nous avons une situation qui est difficile tout parce que le pays a traversé des difficultés de stabilité. Nous avons demandé à partenaires, soit qui sont présents ou bien qui font présenter par un personnage quelconque, nous avons souhaité qu'ils prennent note pour notre saut à arriver joindre. Le gouvernement lui-même, départ de constitution hein, et rôle que comité départemental même le joigne source direct ou du moins interlocuteur direct yo c'est ONG yo et direction départementale parce que lorsque gen dégâts gen risque gen tout ebay ça qui fait et bien c'est chaque ONG chaque direction départementale qui pour porter concours yo c'est un orchestre que nous y que chaque monde gagne un instrument que nous ta souhaité que saison ça c'est pas les mal arrivé pour se ça n'a dégager nous pour nous porter secours donc quoi tout autant nous préparer c'est tout autant nous capable arriver à faire des interventions qui capable faire nous gagner moins dégâts ou gagner nous gagner moins monde qui souffre par rapport à tout dépend de intempérie. Nous-mêmes nous déjà fait un pile expérience déjà nous habitués avec genre de situation ça déjà parce que nous passé magistrat nous connait pile bagaille et que nous mandé nous chaque qui là qui fait représenter par une institution étatique ou bien une ONG pour que nous chaque nous porter participation par nous. Nous chaque nous commencer par réfléchir qui ça nous doit faire avant même nous faire face à une éventuelle
intempéries. Poko connaît, mais ça que moi-même qui est important pour moi-même, c'est prévention. Merci Chenot. Sous initiative combien de citoyens concernés Kosiko. Yon messe action de grâce prévoit chanter ak yon marche à la chandelle prévoit organiser nan ville Okay 14 août k'ap vini la pour commémorer de l'année tremblement de terre qui te pote aller la vie divers centaines citoyens nan grand site pays ya. Isaac Akwilfried, dirigeant organisation a critiqué autorité concernée yo qui pas assisté paysan yo et qui pas fait aucune cap sensibilisation sur comportement citoyen yo doit gagner les catastrophes naturelles. Isaac Akwilfried te nan micro Jean Vanel Soliman depuis Okay. Qui s'est combattu dans les concernés, une organisation paysanne qui est dans tous 10 départements avec force et faiblesse. Moi, je viens dans le sud là, c'est sous invitation du coordonnateur départemental, Blanc Noyer. Donc, nous qui avons une activité que nous faisons ensemble avec l'organisation qui est souterrain, sous question du tremblement de terre qui était passé le 14 août 2021. Et ça, l'amitié de la Sombagaï, tout a été capable de constater. Depuis le tremblement de terre, la fin passé dans le Grand Sud, là, si l'État fait un bagage, il va continuer la nuit, tout le monde fait en secret. Mais personne ne peut pas au courant rien que le gouvernement fait. Lorsqu'il y a des paysans qui perdent toute plantation, même Santa Avari, il y a une indemnité, l'État ne peut pas vous permettre que les paysans reprennent plantation. Ça perd des outils agricoles, l'État ne peut même pas avoir une subvention pour permettre qu'ils achètent des matériels pour travailler à bon prix. Donc, ce sont des gens qui ont abandonné. Et comme nous-mêmes, en tant que journalistes, nous avons constaté, même Javel, il y a des gens qui ont eu un tremblement de terre, pas même pour nous actuer. Parce que pas dans aucun monde dans le gouvernement qui a fait aucune publicité, qui a fait aucune propagande pour montrer comment on peut être capable de protéger la tête, les tremblements de terre, qui côté vous abriter, quel que soit côté vous. Seulement, nous avons mauvais papa, parce que le gouvernement, son papa, son père de famille, qui a deux points, soins familiaux. Donc, papa ça, il doit protéger Timonio. Au côté de la sortie, il doit dire Timonio, mais qui sait faire, mais qui comment comportement pour gagner. Mais en Haïti, nous avons un mauvais papa, qui c'est le gouvernement. Captain qui est malade, pour faire comme ça. Qui est mourir, pour faire comme ça. Et c'est une raison qui explique que, qui ne fait pas jamais une simulation qui fait ni dans l'école, ni dans quelle institution l'État, parce que il y a tant qui est une catastrophe encore, pour s'acter millionnaire, pour venir multimillionnaire, sous cause du peuple. Donc c'est ça fait que 14 d'août qui va venir là, nous avons fait marche, nous avons marche à la chandelle. Côté que nous avons chanté une messe action de grâce. Et après mais ça, nous avons pris la rue avec Mario, avec tout le monde chandelle dans nous, pour nous faire gouvernement, pour nous faire ONG, qui te fait cob dans le tremblement de terre là. Donc qu'on est que nous-mêmes paysans, nous disons que ça n'a pas passé comme ça. Et nous ne prenons pas comme ça. Et c'est une raison qui fait demander tout le monde qui était victime de tremblement de terre pour participer dans la marche là. C'est pour une marche politique. Son marche pour nous déclasser, nous, côté où mettez nous, parce que nous classer nous. Parmi les gens qui ne nous revendiquer, parmi les gens qui parmi les gens qui peuvent acheter à n'importe quel moment pour 1000 gouttes, parmi les gens qui ne peuvent pas prendre comme si pour nous, c'est un coup aussi de 100 coups de chèque, pas qu'on a rien qui ne peut pas prendre nous au sérieux. Mais il faut que nous déclassions tête nous là, pour nous classer tête nous. Parmi les gens qui voulaient vivre avec dignité, parmi les gens qui voulaient que l'État prenne responsabilité, le gouvernement prenne responsabilité face à nous. Parce que dans n'importe quel pays du monde, tout le monde doit reposer sur l'agriculture. Parce que si vous avez un peuple, vous ne pouvez pas manger. Mais le peuple, vous ne pouvez pas dire peuple. Si vous avez une famille, vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas faire une famille. Donc, je pense que tout le monde a le focus sur l'agriculteur. Donc, l'agriculteur a perdu toute plantation, il n'y a pas de indemnité, il a perdu tous les outils, il n'y a pas de subvention dans les outils. Ça veut dire, paysan la guerre, tu dois balancer. Et c'est une raison de nous demander que, puis c'est gars, le marche qu'on a fait là, c'est pour un marche politique. Son marche pour nous faire, le gouvernement prend responsabilité. Et son marche tout pour nous dire tout. Dans pile monde, dans la diaspora, qui t'a même aidé au Okay, qui t'a même aidé au Grand Sud là, mais qui côté a passé? Bon, prenons par exemple, nous avons dit, bon, nous-mêmes, nous avons fait des marches manchettes, outils agricoles. Mais qui côté n'a pas ça avec? Matisse en bloqué. Pas de quel côté qui a porté. Non seulement l'État n'a pas porté, mais les gens qui ont une bonne volonté qui a porté aide, pas de côté pour passer. Donc nous-mêmes, marche ça, son marche qui a dit, le gouvernement prend responsabilité, les gens n'ont sont bouqués. Et nous ne sommes pas capables encore. Et ça fait demander tout élève, étudiant, petit marchand, tout le monde qui était victime, participer dans la marche là. Mais après la marche là, nous avons souhaité tout le monde qui a monde qui mourir. Souvent, les gens qui sont morts, ils sont morts, ils plantent un pied bois, un pied abfruitier. Non, les gens qui sont morts.
Donc pour pas jamais oublier mon ça. Marche ça a commencé du côté la fin. L'a commencé dans l'église là après messe là. Et puis n'a dérapé boulevard 4 chemins et puis pour la finir sous place là. Merci Jean Vanel. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle démarré jeudi 13 juillet 2023 un atelier sous stratégie pour appliquer décret 15 janvier 2021 pour intégrer éducation environnement dans système éducation haïtien. Représentant UNESCO dans pays d'Haïti, Tatiana dit important pour timoun yo joindre bon champ information sous environnement. Ça qui d'après lui capable aider ou faire face ensemble avec catastrophe naturelle et puis protéger environnement en entendant le microtax 509. L'éducation à l'environnement traite de la relation entre les êtres humains et leur environnement. Elle intègre les approches des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales et met l'accent sur la compréhension des interactions. Sur cette base, les connaissances environnementales de base, la compréhension des interactions socio-économiques et des écosystèmes, ainsi que les liens entre l'homme et la nature sont fondamentaux. L'éducation à l'environnement est axée sur les valeurs, car il s'agit de préserver les fondamentaux naturels de la vie. Maintenant, plus que jamais, nous avons la responsabilité d'éduquer les générations futures à faire face aux effets du changement climatique sur l'environnement et sur notre vie. Les témoignages de ces effets sont au quotidien perceptibles à Haïti, avec les catastrophes naturelles et autres effets de ces changements climatiques qui affectent non seulement Haïti, mais toute la région et le monde entier. L'éducation à l'environnement encouragera les compétences qui permettront de mieux comprendre les fondements naturels de la vie en tant que partie intégrante d'une communauté et pour nos enfants d'aider à protéger l'environnement naturel et la société de manière prospective, solidaire et responsable. L'éducation à l'environnement contribuera aussi à une meilleure compréhension des interdépendances environnementales, sociales, économiques, culturelles et éthiques et aider les futures générations à prendre des décisions co-responsables et à agir en conséquence. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les gouvernements haïtiens pour l'adoption du décret du 15 janvier 2021 visant à intégrer l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens. C'est une étape importante qui témoigne de la reconnaissance de l'importance cruciale de sensibiliser les jeunes générations à la protection de notre environnement. Ainsi, le R donnera aux apprenants les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause et d'entreprendre des actions responsables en lien avec l'intégrité environnementale, de la viabilité économique et d'une société juste pour les générations présentes et à venir. Et c'est dans le respect de la diversité culturelle liée à l'apprentissage tout au long de la vie. Le RE fait partie intégrante de l'éducation des qualités. Cette nouvelle thématique offrira aux élèves l'opportunité d'acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour prendre des décisions éclairées, d'adopter des comportements respectueux de l'environnement et de devenir des citoyens actifs et responsables. Cela les aidera à comprendre l'interdépendance entre les êtres humains et la nature et à développer un profond respect et une connexion avec notre environnement naturel. L'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs haïtiens nécessitera une collaboration étroite entre les acteurs clés tels que les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les ministères de l'environnement, ainsi que les organisations de la société civile et les institutions internationales. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'apprentissage, à l'innovation et à l'action en faveur de l'environnement. En tout cas, c'est très bien. Environnement dans l'éducation. Ministre environnement James Cadet, il existait? Ah bon? Soubopal salier engagement ministère l'éducation nationale prend pour que l'intégrer environnement dans système éducation haïtien. D'après ministre Cadet, c'est tout acteur dans pays qui doit protéger environnement. Li quoi li important pour gen travail sensibilisation qui fait pour tout monde sous dossier environnement. James Cadet t'es parlé à La problématique environnementale est devenue depuis la fin du XXe siècle un sujet qui préoccupe grandement nos sociétés. En effet, dès 1972, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm acte ce sentiment d'urgence.
et l'obligation d'agir efficacement face à la dégradation accélérée de l'environnement mondial. Les dirigeants mondiaux, à travers la déclaration de Stockholm, ont alors très vite compris que la protection de l'environnement est non seulement un enjeu crucial pour la survie de notre planète, mais surtout, c'est une question de dignité et de bien-être individuel, dans la quête d'un vivre ensemble durable. Depuis lors, cette prise de conscience collective pave la voie à l'éducation relative à l'environnement ou au développement durable, laquelle constitue un axe incontournable dans la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques nationales visant à garantir le développement, la croissance économique et la modernisation de nos sociétés. L'initiative qui est prise vient consacrer l'obligation qu'ont les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale de travailler en synergie pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la nationale pour embrasser la cause environnementale. Nous avons besoin de tout le monde. C'est un combat à mener tous ensemble. Mesdames, Messieurs, pour parvenir à une mise en application effective du décret du 15 janvier 2021, permettez-moi de souligner quelques éléments clés. 1. Toujours faire preuve d'innovation et d'intelligence collective. J'encourage la poursuite des initiatives telles le concours interscolaire d'éducation environnementale intitulé Écogénie qui a été réalisé dans le Grand Sud avec la direction départementale du ministère de l'Environnement. J'en profite pour saluer tous les efforts et toutes les actions qui vont dans la même lignée et qui sont menées par les acteurs du milieu associatif, de la société civile, les organisations rurales, les ONG, les médias, etc. Je loue également l'engagement de nos partenaires internationaux à nos côtés. On l'aura compris, l'éducation relative à l'environnement doit être menée à la fois à l'intérieur de nos écoles, de nos universités, de nos centres de recherche scientifique, mais aussi, elle doit s'étendre à l'ensemble de la population. Il nous faut donc promouvoir et former des citoyens éco-responsables à l'échelle du pays. Chacun a sa pierre à apporter. Il est indubitable, il nous faut changer de paradigme environnemental. Deuxième élément sur lequel j'attire votre attention, renforcer la gouvernance environnementale et le cadre juridico-institutionnel. Il convient de dynamiser le comité interministériel à l'application du décret du 15 janvier 2021 en mobilisant au sein de nos ministères respectifs les directions techniques concernées ainsi que les à y affecter en vue d'accompagner et de renforcer un tel processus. Je tiens à souligner le rôle vital de la direction d'appui à l'enseignement privé au partenariat, la direction de l'enseignement fondamental, la direction de l'enseignement secondaire et la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au niveau du ministère de l'Environnement, il est créé la direction d'éducation relative à l'environnement avec, entre autres, pour attribution, d'assurer la coordination de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement, de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation et de formation, de planifier, coordonner, suivre et évaluer de concert avec les autres ministères et instances étatiques ou privées concernées, l'intégration de l'éducation relative à l'environnement au niveau des centres de formation à travers le pays. Nous devons donc de renforcer ces structures existantes et leur donner les moyens et les ressources adéquates pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. N'a traversé dans ça qui gen a wè ensemble avec ministère travail, directeur départemental travaux publics, transport et communication dans l'ouest là qui c'est ingénieur Joseph Angelo Horacius. Confirmé, bid désaffecté yon parti dans l'argent qui était disponible pour faire tronçon route pour des paix en Safolaire. Tronçon route si là qui t'a coûté 15 millions de dollars. Kou elle est là après réaliser en tête battu. La suspend prend médecine sous compte pétade marron. Pour justifier décision ça, li présenté problème insécurité à qui la cause yo décidé retirer yon parti dans Kobla parce que pas gen moyen qui disponible pour faciliter yon yo transporté asphalte là. C'est yon tronçon route qui gagne une longueur 23.5 km qui doit fait avec asphalte mais qui campait depuis après lancement projet ça dans mois avril passé à dans commune c'est lui dit non bon t'es quoi Jovenel Moïse t'a construit usine asphalte mais pour qui ça nous pas fin arranger li et puis mettre l'opérationnel non s'il fin fait et Jovenel Moïse qu'a joué une gloire en nous tendez. Eh bien, Joseph Angelo Horacius, qui t'a parlé, dans micro correspondant nous, Jebson Petit, depuis Saint-Louis du Nord. Vraie raison qui fait que le ministre a insisté à ce que la presse du côté du Nord-Ouest, notamment de Port-de-Paix,
il y a des informations assez précises et pertinentes de construction route Port de Péance à Folleur. En effet, c'est une construction de route qu'il a depuis bien longtemps, éventuellement depuis plus de 3 ans que Koblala est disponible. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous constatons que le travail n'est pas pour lancer, le travail au printemps, le travail au point retard. Quel est le problème? Le problème, c'est BID qui t'a financé. C'était un projet pilote. T'es gain, le fonds d'entre t'es gain, l'agence d'exécution qui t'a monté le projet. Et actuellement, il y a près de 3 ministres qui passaient. Et même tout, je suis directeur du projet ça, par intérim pour nous être capables d'avancer à projet. Malheureusement, il y a des retards accumulés qui permettent que le projet ça pas jamais arrivé, lancé vraiment. Et dernier événement politique, là, nous mettons dans une situation particulièrement difficile. Comme nous connaissons, c'était une route de 23,5 km qui pouvait être en asphalte. Il y a à peu près une cinquantaine d'allots et il y a 5 ponts qui ont fait. En raison de conjoncture politique, là, et dans la dernière rencontre que le ministre a gagné avec BID, il y a des décisions qui prend. Qui décision il prend? C'est que BID lui-même voulait retirer Koblala définitivement. Le ministre a insisté et le ministre, dans le cadre de négociation que le bataille, désormais, on y a là, c'est que il a désaffecté un parti dans Koblala, pas définitivement. Il a pris une décision, il a continué à faire 5 points, il a continué à faire tout dalo, il a continué à faire tout ouvrage, il a fait tout terrassement pour route la capable en terre battue, et dans un deuxième temps, il n'a pas le mettre à asphalte sur lui. Quel est le problème? Je dis à pour mettre à asphalte là, il est particulièrement compliqué. Premièrement, approvisionnement sur route là, en bitume, en carburant, il n'est pas fin évident, ça c'est un. Deuxièmement, l'usine asphalte là, qui est localisée du côté de Gourmon, il vient de un problème. En même temps, il y a des protestations sur lui par rapport à Mounio, côté où il n'y a pas de touché. Et Mounio a des exigences sur faire faut route bon côté où il a fait. Mais le vrai problème, c'est que côté usine n'a été localisé, il n'y a pas de matériaux encore. D'où il faut délocaliser l'usine, puis il faut mettre du côté de Saint-Louis, qui est idéalement, ou bien Tiboucan. Mais l'idéal là, il est Saint-Louis. Mais malheureusement, on n'a pas qu'à faire ça. Il y a un troisième problème qui greffe sur ça. Je dis à là comment ingénieur fait déplacer, puis elle passe. Comment le côté qui est insécurité? Puis elle passe Tibouadon. Parce que Alsfat là, son produit périssable. De pour statut d'une Alsfat là, ce n'est pas un produit au gado Kembel, ou à Fena, ou quitte le camion, la bidule en camion. Koto la gueule là, c'est l'aldi. Est-ce qu'on commande? Oh, Alsfat là, le bagage, je le fais. Immédiatement, balancer visine, non? Ou balancer le matin, elle soit faite le matin. Ou balancer la 2h du matin, elle soit faite à 2h du matin. D'où, c'est essentiel problème ça posé. D'où, le ministre, dans le cadre de rencontre avec la BID, l'estime que Port de Paix n'a pas perdu Koblala. Il dit, puisque c'est elle soit là qui a un problème, eh bien, quoi que BID n'est pas d'accord, lui-même insisté, il a pris 5 points. Il a pris près de 50 d'ouvrages de dalle qu'il a fait. Il a fait ensemble de drainage. Il a fait l'emdi route là, c'est pas gratté, genre que n'a fait des bails là. C'est de études géotechniques qu'a fait. Il a fait des couches de fondation, couches de forme. Il a mis des matériaux sélectionnés et puis il a mis des surfaces là pour ne pas brûler. Et dernier problème qui était posé tout, c'est des problèmes au niveau d'expropriation. Volume de temps ça prend pour nous finaliser l'expropriation en tout, puisque c'était pas nous-mêmes qui t'a fait, c'était BID avec l'agence qui t'a pris. Donc, BID lui-même, lorsque le bon COB n'a même, ce n'est pas même genre, la procédure parle. Si COB là, depuis 1 an, 2 ans, il est désaffecté. En attendant, l'autre année fiscale là, il a préaffecté. Qui ça veut dire? C'est que dans la prochaine année fiscale là, immédiatement, travail ça au fin fait. Parti qui voit le SWAT là, il a mis à la disposition du ministère de la République pour qu'on mette le SWAT sur le temps. Merci, Jameson. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour cette information, on a fait place ensemble avec Sévère. Bonjour, Foucault. Bonjour. Bonsoir, tout le monde. Merci de poursuivre avec information. Yo, directeur général à IPNH, à monsieur Francis Albetechit, a parlé avec une équipe évaluation Nations Unies pour parler sur situation sécuritaire pays d'Haïti. Équipe ça a gagné là dans 3 membres personnels, département des affaires politiques, avec consolidation secrétariat, organisation Nations Unies. Délégation ça a gagné là dans monsieur Enrico Fortmi,
Mika, Jean Charay, Pedro Louis Enchosté Jordan, ak Jem Vigil, conseiller principal, police, bureau intégré Nations Unies en Haïti. Pendant réunion ça, commandant chef PNH Afonso LB tenye avec lui, membre recommandement, côté où te discuté sur plusieurs points. Occasion pour directeur général AIPNH, la monsieur Afonso LB, pour faire un diagnostic situation sécurité actuelle pays, ak différentes actions PNH a mené dans lutte contre groupe armé yo ak criminalité en dan pays d'après information PNH la. Gen responsable SOS journaliste Joseph Guilherme Delva qui annoncé pour dimanche 16 juillet cap vini la yon marche pacifique pour dénoncer phénomène kidnapping et puis exiger libération copropriétaire télé pluriel nan Pierre Louis Opon. Numéro 1 association journaliste a informé marche sa doué faire rond à Pétionville dirigeant association journaliste là dénoncer passivité autorité yo face à phénomène insécurité. Lancé appel à la participation tout secteur dans la vie nationale, notamment corporation journalistique. Il fait également appel à Clémence Ravisseur qui précisait état santé victime n'a dégradé considérablement parce que le pas prêt médicament yo. Toujours question insécurité, il y a un monde qui mourit avec balle sur route Fréa, zone marché public, zone nan. Li mouri mercredi 12 juillet après-midi. Individu ça et mouri, li recevoir plusieurs balles. C'est Neg Axam qui gagne uniforme la police qui fait le faire voir pour pays sans chapeau. Quelques heures après, un juge de paix est rendu sous lieu criminel pour capable faire constat légal. Gagne résident d'Oko, une localité qui située dans la commune à Pétionville qui sous choc après exécution. Trois membres de population, c'est Neg Axam qui touye yo. Citoyen sérieux, yo exécuté yo. Neg a gros âme qui tape si qu'il est sous moto, te l'ouvre coup de balle sous yo. Pour te capable mettre plan yo à exécution, malfrat te quitte machine yo te yéa nan mitan chemin, yo entre nan kay victime yo puis yo touye yo selon plusieurs témoignages. Protestataire yo qualifié lâche résident zone nan qui c'est le même qui te malfrat yo parti après au fin commettre zak sa. Depuis après crime ça, moun qui habite nan zone nan yo gen gros la Perez, yo lancé appel by autorité policière pour envoyer policier dans zone ça dans l'idée pour capable freiner toute action bandit. D'après ton sous question kidnapping, kidnapping président conseil électoral provisoire, si gen marche qui a fait gen collectif défenseur plus qui yo même yo parlé, yo dénoncé ça crivé et puis yo mandé avec autorité pour prendre des mesures à côté de collectif défenseur plus gen au CNH qui condamné avec vigueur enlèvement monsieur Opon Pierre lui ancien président KPA mardi 20 juin passé à la commune Tabar tout près la Cali. Au CNH lancé appel ben ravisseur pour prendre conscience gravité Zaksa et puis libérer immédiatement monsieur Pierre lui Opon qui pas joui surtout yon bonne santé. Gagne collectif défenseur plus organisme en promotion avec défense droit monde qui yo dit et yo consterné par rapport avec récent cas enlèvement suivi séquestration contre rançon qui frappe pays d'Haïti. En particulier, nous exprimer vive préoccupation nous concernant détention monsieur Pierre-Louis Opon, ancien président conseil électoral provisoire la clôture otage qui continue à souffrir dans mes ravisseurs. Enlèvement suivi en séquestration contre l'agent constitué un crime abominable qui compromet la paix et stabilité d'un pays qui déjà confronté avec un pile défi. C'est une forme traite monde qui condamné par droit international et par la loi sur enlèvement, séquestration et prise otage monde en Haïti 22 juin 2009 là qui modifié décret 4 mai 2005. Situation qui gagne en Haïti en lié à la mort Isaac à violence à Yovin plus augmenter souffrance peuple haïtien qui déjà vivent dans misère, saleté, absence service social. Quelques zones pays qui c'est terrain favorable à accès criminalité organisée qui violent systématiquement droits fondamentaux population concernée. Collectif défenseur plus a lancé appel avec fermeté bon côté responsable enlèvement ça pour libérer immédiatement tout otage même monsieur Pierre Louis au pontou et pour mettre fin avec la pratique inhumaine ça pratique abominable ça si yon honte pour nation haïtienne qui a mené gros bataille contre traite moun et pour dignité. Collectif défenseur plus encourager autorité haïtienne pour prendre toutes mesures nécessaires pour garantir sécurité population et
lui intensifier effort pour lutter contre crime en enlèvement suivi séquestration contre rançon. Pratique ça a traîné derrière décapitalisation population et puis gros conséquences psychologiques. Force l'ordre national en particulier police là doit agir dans l'idée pour protéger même population. Collectif défenseur plus invité organisation régionale yo CARICOM organisation état américain ak acte international yo pour mettre force ensemble pour aider Haïti faire face à situation alarmante ça qui plonge pays depuis plus passé 3 années dans phénomène insécurité puis éradiquer kidnapping ça. Séquestration ak l'autre violence ka enlèvement ak séquestration puis l'autre forme violence affecté grandement développement socio-économique pays devant silence complice nèg ak femme qui dans pouvoir sans légalité et puis sans légitimité. Dans période difficile ça collectif défenseur plus exprimer solidarité et puis soutien bay otage ak femme yo tout qui nan kap endure yon épreuve insoutenable. Collectif l'an rete convaincu que justice a pas gain victoire sous ça et que responsable crime ça yo il y a bien pour traîner devant la justice et pour mettre fin avec impunité pour gagner une justice qui forte citoyenne yo ak citoyen yo de mobiliser dans quatre coins pays en alité pour exiger dirigeant yo ak dirigeant yo meilleure condition vie. C'est Mado Chicha, enfant responsable communication et plaidoyer qui signe en bas notre syllabe. Nous poursuivons avec information. Nous parlons avec information. Ça, gagne ancien député Jean-Aubert Bossé qui exprimait tête chargée, gagne un papa avec kidnapping Pierre-Louis Aupon qui séquestré dans mes bandits dans Torcel depuis presque un mois. Ancien parlementaire, quoi, pays a vécu une insécurité d'État, ça qui rend difficile pour jouer une solution à Avel. Ancien li a quoi, un papa changé. Si forme l'État, ça pas chaviré. En côté Jean-Robert Boussé pour plus de détails. Moi, partager douleur, calamité, Marie-Lucie Baudhomme, qui c'est journaliste vedette, suite à l'enlèvement parlé le 13 juin, 8 jours plus tard, de l'enlèvement Marie-Lucie, qui c'est collaborateur en même temps, dans Télé Pluriel, et 20 jours plus tard, il est toujours dans mes kidnappeurs. Donc, moi, encore une fois, partager toute peine, tout mauvais moment que Marie-Lucie a traversé dans mon mandat. Parce que c'est une insécurité d'État. Une insécurité d'État qui est programmée, entretenue par Mounsayo, qui soi-disant gagne un règne pouvoir, l'État dans mes yeux. Dans la manière dont on est arrivé dans ce pays. Donc, ils sont pas capables d'entretenir, programmer un projet, un plan, et puis pour combattre, ils ont même encore. Donc, chaque fois que des leaders, de personnalités qui dans la société, la société civile de l'ONU, mais qui dans la société haïtienne, ils n'ont pas fait une idée claire de ce qu'on vit aujourd'hui comme problème, eh bien, nous faisons la donne. Nous pas capable de donner dans même monde qui crée situation ça pour nous donner une solution dans même yo. D'ailleurs, moi dis très souvent, yo c'est exécutant d'un plan qui est préparé, monté par une certaine communauté internationale à travers un groupe et mise en œuvre la souterrain a fait plus près de pays, à l'intérieur du pays, à travers l'ambassade américaine, le Canada, la France, etc. Et qui confiait à ces dirigeants de facto au jour le jour des points à exécuter. Parce que, en fait, ils n'ont pas gagné menu total, tout plan en main pour exécuter l'ICC. Chaque jour levé, et puis on dit, mais ça, on est pour faire aujourd'hui. Donc, c'est, on n'a pas dit, par contre, ni tenant, ni aboutissant projet. Silence ou ensemble de secteurs dans la société. Ou t'as dit, il y a même encore victime de la gouvernance de PHTK, Ariel Henry et Ariel Lio, mais ou t'as eu l'impression, il y a comme complice de propre calamité, yo. Ouais, de propre problème yo encore tellement yo fait silence. C'est une manière pour nous dire que silence ça li permet que exécutant yo tenant le pouvoir de facto aujourd'hui hein, yo confortable yo à l'aise. Donc quelle d'état ça et kidnapping d'état ça li gagner des gens
j'en t'ai dit tout à l'heure, qui a manipulé lui, qui a dirigé. Gen président association propriété ak chauffeur d'Haïti qui dit pas ba importance à ka causer la paix k'ap parler dans certains quartiers gang yo contrôlé mais yu changé fait qu'on est pas gen la paix si zam yo toujours dans mes gang yo. Syndicaliste sans révéler bandi yo continue à toucher dans mes chauffeur yo à gros zam yo pendant y a parlé de la paix mais yu échangé mandé chauffeur yo prend pile précaution en côté déclaration. Nous même en tant que responsable transport nous pas quoi dans la paix ça. Parce que pas oublier pendant les gars ils déposent les amis la cage nous pas lever la pleuve pour nous pas prendre dans la paix si l'état ça désarme tout le monde et puis reprend contrôle commissariat qui dans même bandi yo laisse ça pas la paix fait mais automatiquement c'est les gars disposés déposer les amis n'est pas de le prendre la prévoir circuler normalement parce que pour qui ça pas vraiment circuler normalement pour mais tu toucher dans mes chauffeurs tu appeler chauffeur pour que marche pas circuler normalement. Allez, pour machine d'arrivée, parce que là-bas, il faut payer les égales. Pas que moi, il faut payer normalement, vraiment. Nous sommes d'accord là. Ça qui va être important pour nous, c'est le gouvernement qui prend contrôle du pays à tout bon. Mais quand on a ces bandits toujours à diriger, avait dit nous-mêmes, nous avons souhaité que le gouvernement ressaisisse les liens pour mettre la sécurité dans le pays pour continuer à fonctionner parce que nous payons toute taxe pour nous payer nos pays. Tout ça, nous demandons, c'est la sécurité pour nous fonctionner. Nous-mêmes, transporter la vie tout le monde, faire pas plus attention avec. Il faut la paix, ça, parce que nous sommes certains. Jean-Aubert Bossé, quoi, il faut gagner un autre projet politique pour charger équipe, pour changer équipe qui sous pouvoir, pour payer en commencer à aller en souffle. Ancien Eli Akin, fait qu'on est gouvernement, ça joint appui communauté internationale là, qui rend difficile pour chavirer, mais aucun acte sérieux pas qu'à rentrer en bas avant de pouvoir ça. En côté, Jean-Aubert Bossé. Moi, il faut qu'il y ait une parole politique claire de la part de leaders politiques, de chefs de parti. D'un des camarades qui nous a dit qu'il y ait une offre politique. Il faut nous commencer à penser à construire parole politique, que nos camarades qui ont une offre politique. Ce n'est pas seulement l'on a une élection qu'on est capable de préparer. Politique ça, ouais, parole politique là, donc nous qu'à préparer pour changer ça dans notre pays là, en attendant pour gagner des mouns normal intègre pour nous organiser l'élection. Parce que négociation, ouais, a tenté depuis 24 mois, donc gouvernement de facto, donc gouvernement coup d'état dans notre pays là, qui n'a pas gagné aucun contrôle, pas de parlement, pas de grain élu, dans le moment où on parle avec ou là, pas de grain élu. Qui pays en Amérique là, jodi à là, qui modèle Haïti? Pas gagné. C'est green Haïti qui jodi à dans la situation ça. Et département d'État, ambassade américaine, l'Élysée, canadien, ça t'a dérangé yo. Parce que nous disons tout, ça qui dérange yo, c'est ça qui pas dans l'intérêt yo. Quelle que soit manière ou abdirige ya, dès qu'elle pas dérangé. C'est-à-dire qu'on groupe, ambassade, pays, ça, eh bien, ou pas de problème, ou tranquille. Donc, comment résoudre le problème pour nous résoudre? Moi, il faut que nous jouions un moyen pour nous parler avec le pays. Parce que le vrai force, là, c'est le pays, c'est le peuple. Là. Il y a des gens qui croient qu'ils sont capables de se mettre d'âme pour retirer Ariel dans ce pays. Là. Or, Ariel, il y a toutes les dames avec déjà. Ou ça me dit, nous n'avons pas de compétences, ça, compétences pour nous mettre d'âme. Parce que, ils ont gagné des gens là. C'est professionnel, yoye. Donc il y a veillé pour Ariel, parce que Ariel mettait là dans le pouvoir pour ça. Donc nous-mêmes, c'est parole vérité à vous parler avec pays. Nous pas qu'à rentrer, nous chercher bail pour bas, comme si nous allons négocier, nous allons dire, bon, primature, bon, tel ministère là. Non, il y a bon bagaille, même genre, soit le fait qu'il a l'argent, si c'est ça qui est objectif, mais changer ça qu'il a, contour ça qu'il a, il n'y a pas changé. Ma préférée, peut-être, on capable de dire, mais qui l'a n'a pas privé fait ça? Pas qu'on est qui l'a, pas qu'on est combien de temps ça prend. Mais vaut mieux nous battre, nous prendre temps, mais nous changer sérieusement. Au lieu de nous tenter entre nos négociations, nos cohabitations, même genre, il y a un pile nègre qui avec Ariel Henry, nègre avec femme qui avec Ariel Henry, qui t'a tenté chercher, joindre une cohabitation avec Jovenel Moïse. Mais il était trop exigeant, pensant que le monde qui était dans la rue à l'époque, c'est Bayo
suffisamment d'autorité pour te mettre pied sous le Jovenel. Jovenel pas de bail suffisamment. C'est ça que chaque jour, je dis Jovenel mourir parce que Jovenel sont gros idiots, parce que les patates à mourir, leur ou bien mon objectif, c'est de l'argent. Donc Jovenel, c'est l'argent, c'est pour le débat. Mon Dieu, j'ai besoin de vous. Quel parti politique arrivé d'Haïti qui félicite Pasteur Grégory Toussaint qui est arrivé à organiser un match international en faveur d'Haïti? Pasteur Maurice Lapierre, quoi ça, c'est une preuve, capacité mobilisation secteur protestant. C'était ensemble n'a pas poursuivre. Bon Dieu, continuer tant d'écrire pas ici. Pasteur Lapierre critiquait certains détracteurs qui prennent plaisir à critiquer Pasteur Grégory Toussaint sous prétexte là pour les affaires politiques. En côté Maurice Lapierre. Je ne pas, c'est vraiment grave, ça que nous voyons. Il y a un monde qui fait gros effort ça, qui planifie, et puis avec une équipe monde qui a prié pour que vraiment il y a un marche comme ça soit capable de réussir, parce que nous toujours dit secteur protestant 54, secteur protestant 56, c'est on prend une genre histoire ça, mais je dis à un monde de force au plus, et c'est tout bon, il est capable, et m'était toujours quoi que il était capable. Mais c'est yo pour que j'en voulais essayer. Je dis nous pas besoin peur pour critique. Et nous féliciter Pasteur Grégory Toussaint. Nous t'ai prié pour Manche Lien et nous sommes tellement contents que finalement, bon Dieu fait ça. Quel que soit où on est, il y a un pile dans nous qui est vraiment pessimiste et qui a un pile problème. Par exemple, moi-même, moi distribué 5 containers Bible cadeaux dans tout le pays. Et où t'as saisi dans une série de notes, une série de commentaires que mon a fait. On prend de ça. Ça veut dire la Bible, c'est un bagage qui pour t'as ceci, pour t'as brûlé, un paquet d'histoires. Et puis, eux-mêmes, pendant qu'ils critiquaient, en pile là, ils vraiment, car ils vraiment grave. Et eux-mêmes, tout, ils prennent le péril, c'est que c'est pas nous qui font bagage pour eux. Ça veut dire, on pas besoin de problème grave, monsieur, que, parce que Grégory n'a pas de problème grave. Et monsieur, que moi-même, avec toute l'autre série de monde, nous n'avons pas un problème grave. Ce travail que, bon Dieu, maintenant, que nous pouvons faire, c'est l'inap fait. Quel que soit l'autre monde qui, donc, qui vient de frapper quoi à terre, ou bien, on prend toute une série d'histoires qui est posée, pour la joindre amélioration de vie. Et monsieur, que, à rencontrer avec bon Dieu face à face. Parce que, pas qu'un côté qu'on virait là, pas qu'un rien de bien qu'on est capable de faire là pour pas critiquer. Et pendant ce temps, moun pou yo critiquer à l'en face yo, li devant yo, li tuer pays ya, li, on prend, li violer petit yo, et puis voler tout comme pays ya. Et nous saisis pour voir que c'est pas yo, yo bay frappe. Et, en tout cas, guerre ça, t'as qu'au même le, t'es pral gain, on sait de viatique, comme si code pénal yo, nous t'es prend, guerre ça en main, pour nous t'es faire, même si personne moun pas de blanter là-dedans, nous t'es décidé de faire. Mais pendant ce temps, je dis, monsieur, que c'est pas, moi seulement, et pas parce que Grégory seulement, il y a plusieurs autres monde qui veulent faire. Ils font le fait. Et ils le font dans la paix, ils le font bien, et en pile, mon apprécié. On va parler de plus que 60 pays. Il y a un monde qui déjà fait ça. Pour qui ça que y'a jaloux dans l'état ça? On prend pour qui ça? Que y'a un haïssement jusqu'à la moelle. Ça veut dire, y'a rempli avec tout nos séries de mauvais esprits pour faire des gars. Reste vers ces armes d'eau là. Ouais, comment l'île d'eau, mais lorsque les immoraux se lèvent, lorsque les méchants se lèvent, un homme est caché. Vous donnez ça? Un homme est caché. Et même verset ça, l'idou, non, 28 encore, l'idou, les méchants y ont levé, l'idou, l'homme supposé le cacher. Alors, c'est ça, nous t'espérer de préférence. C'est ça, nous t'espérer de préférence pour le mal caché. Et il n'y en a pas à avoir la fonderie là en attendant. On prend lorsque les doigts se réjouissent, il y a grande gloire. Et pendant ce temps, nous expliquons ça encore dans 29, dans Proverbe 29, verset 2. Nous disons ça que laisser méchant ça, au lieu qui est au pouvoir, le peuple s'attriste. Bon, ça, pour le dire encore. Laisser le méchant diable ça, au lieu le peuple s'attriste. Et puis, nous disons ça que laisser monde qui doit, le peuple a besoin de réjouissance. En tout cas, gros équipe haïtien à Cap Gourmet, pour haïtien pas jeune réjouissance. Pour haïtien pas, pour Haïti pas développer, pour Haïti pas, un meilleur jour. Mais ça fait mal. Parce que pour que n'a plus de parler blanc mal, pendant ce temps, nous-mêmes, haïtiens, gade, ça n'a plus réglé. C'est vraiment grave. Yon monde font bagarre à féliciter, félicitez-le. Et puis, dis-le comme ça que, encouragez-le, dis-le ça le fait à bon. Et ça passe ce que Grégory fait à lui bon. Et nous dit, merci, comme le bagaspille en vain. On prend comme le bagaspille en vain, prière le bagaspille pas dans vain, et tout ça fait, exactement par guide de l'Esprit Saint, personne ne peut pas blessé, pas mourir, pas conseil de l'histoire passée. Nous disons, bon Dieu, merci. Et nous avons toujours félicité et nous souhaitons que, parce que Grégory est Kembela avec toute l'équipe, et nous-mêmes, tout personnellement, nous avons Kembela, en façon jusqu'à ce qu'il ait été délivré. Et puis, monde qui pour jouir
dans pays ça yo gagne pour jouer et y a l'autre information gagne président organisation qui a défendu droit consommateur qui dénoncer autorité ou dans l'état qui pas décidé descendre prix produits pétroliers sur marché local là pendant temps ça il continue à descendre sur marché international là. Julmis Chenet une responsable et c'est ça rappeler gaz là c'est un produit transversal chaque fois li monté en Haïti la vie en vin piché qui donc s'il li descend dans marché international la autorité ou dans l'état de prendre mesure pour le descendre tout sur marché local là. En côté Jules Miss Chenet pour plus de détails. Organisation comme défendre droit consommateur haïtien nous décidé faire une interview sur la question gaz là qui descend au niveau international selon et accord qui était signé en mars 1995. Qui dit que les gaz la montée au niveau international, la montée au niveau local, les descendent tout au niveau international, les descendent au niveau local. Nous constatons que le gouvernement haïtien, il est seulement constaté les montées au niveau international, il a quitté la montée au niveau international, là, il va jamais le bon. Nous disons, nous pouvons dire une ingérence. Nous posons des questions, est-ce que nous gagnons les gens vraiment qui souffrent des consommateurs haïtiens et qui ont pensé avec un consommateur haïtien, parce qu'avec la situation qui a pris, quand on a encore un produit transversal qui est lié, nous avons encore quitté, mais nous n'avons pas respecté les mêmes gens. Nous gagnons un mini carbone de ces gens, l'air a pris le gaz là, dans les derniers froids là, qui est monté dans la radio Paris pour être capable de faire. Déclaration pour dire que oui, tomber à la fond, la positive pour la population, hein, consommateur. Donc, pour retomber, pas une qui retombe vraiment pour demander avec le ministre de Saint-Jean, plus t'es capable de faire le même bagage là. Les gaz de la montée au niveau international là, les montées dans la radio, l'idée, mais maintenant, les descendent au niveau international là actuellement. Donc, pourquoi j'aime monter dans la vie pour ça faire, nous t'en demander pour tout ça. Parce que l'été, c'est l'été, bon, 150 dollars par an, au niveau international. Maintenant, les bonnes qu'on y a là, 60 dollars au niveau international, pour qu'on baisse considérablement au niveau international. La population toujours été dans la même salaire, la population toujours été avec la même misère linéaire. Nous avons tenu compte de la gravité de la situation de la population. Là. Donc, nous-mêmes, l'organisation comme défendeur consommateur qui est pour DEFCO, nous avons posé des questions avec le ministre des Affaires sociales, là, nous avons posé des questions avec le ministre Ariel, le ministre Pardin Saint-Jean, pour nous demander, est-ce qu'ils n'ont pas conscient, est-ce qu'ils n'ont pas une nouvelle situation avec la vie, là? C'est une situation qui est vraiment lamentable. Donc, pour tenir compte, non seulement des situations, nous qui n'avons rien, qui n'est pas capable de manger. Nous qui avons un dollar américain qui est sensiblement capable. Mais le ministre qui charge le travail, c'est le ministre des Affaires sociales, le ministre du Commerce, là, qui peut charger non seulement le prix transport, le triplé, même quand il y a des produits, le multiplié, le quadruplé, le troisième second, et ceci pour être capable de descendre les produits. Gen directeur exécutif fondation Zilia et d'une paraison qui dénonce rapatriement illégal haïtien dans la République dominicaine côté au même rapatrié Timontou et d'une paraison critiquer autorité dans l'état Haïti qui pas jamais fait rien pour accompagner compatriotes ça cap subir mauvais traitement dans mes dominicains en côté d'une paraison pour plus de détails. Il confirme l'information aussi pénible. Selon ce qui est noté dans la Fondation Lille, des familles, des couples qui détruisent par le petit tour, au moins bien deux cas que l'on connaît entre hier et jeudi. Et ce n'est pas la première fois que, dans le cadre des déportations ou bien des rapatriements des Haïtiens de la République dominicaine, et que ça a touché la France. Et il y a peut-être 3 à 4 mois, ça a touché tellement grave que l'UNICEF, le bureau de l'UNICEF en République dominicaine, est obligé en intervention. Bien. Et la première dame de la République dominicaine qui parlait avec le bureau de l'UNICEF, et qui mettait bagaille en petit clair parce que nous sommes des confusions. Sur l'information, mais là, nous ne passons aucune confusion. Il est clair qu'il y a effectivement des enfants touchés par les opérations de rapatriement. On a rappelé qu'il y a moins de mois, il y a 2 cas d'enfants avec une différence d'une semaine. Le
le premier cas, son cas qui fait déjà le tour du monde, quand un petit monde soutenu par sa mère, il était déguisé en camion de rapatrier, et c'est un bonheur qui était victime de ça, en danger. Effectivement, l'image de voir ce monde ça, avec maman, qui a été soutenu, c'est une image très forte, très choquante, et ça a porté la direction de l'immigration dominicaine à prendre la décision pour le révoquer agent d'immigration qui était responsable d'opération. Mais ça n'a pas discontinué. Une semaine après, nous avons vu un petit monde qui a été avec maman, que selon déclaration de maman, il est en train de mourir dans un camion, un poule. Donc, c'est pas normal que la situation soit privée. D'ailleurs, c'est pas normal que l'information que nous donne en rapport à la déportation et autres, façon que vous faites, c'est une nouvelle occasion, et son occasion malheureuse, son occasion douloureuse, et nous avons fait une nouvelle exhortation, pour nous avons fait un nouvel appel, et à l'autorité du pays, définitivement. Et nous connaissons que ça, c'est une question prioritaire pour les autorités haïtiennes, mais nous avons souhaité toucher que les lieux, sensibilité, pour que nous rentrions dans le dialogue avec la République dominicaine sur la question des déportations et comment il est affecté l'enfant haïtien. Il y a des secteurs qui sont ouvertement défavorables à la présidente haïtienne, et donc c'est des secteurs anti-haïtiens. Ils exercent une pression constante sur le gouvernement et pour la déportation, pour le rapatriement des haïtiens sans papier. Donc ce sont des bagarres qui sont faites quotidiennement. Mais face à cette réalité, donc les secteurs internationalistes sont considérés filigrateurs comme une invasion pacifique. Donc, ils parlent tant de valeurs de vie. Et j'aime t'as dit tout à l'heure, un premier élément, ils exercent des pressions constantes sur le gouvernement pour empêcher que ça continue. Question grève, gain vice-président Fédération Employé DHO qui confirmé employé grévissio, levé grève là après l'État baille aux 2 mois de travail. Cependant, Pierre-Michel, Younaris, vice-président Fédération, fait qu'on ait au pari pour lancer grève là n'importe qui laisse. Si autorité n'est pas satisfait, toute revendication. Côté Pierre-Michel Félix, pour plus de détails. Bon, effectivement, officiellement, il y a eu l'arrivée, mais c'est vraiment toujours une insatisfaction, toujours une gueule, machin d'un clé, parce que, à tout ce qui est gagné par rapport à 5 mois, environ mon premier, qui en fait, qui commence, tout le monde a commencé à faire 18 mois, et que tu comprends que le gouvernement te répond que tu as payé 5 mois, et dans un autre temps, il dit, bah, on peut mettre un petit 2 mois. Et venu te transcrire 3 mois, et te comprendre que ça fait des menaces qui étaient capables d'une grève. Nous même au niveau syndical, festival, nous te tirer sur le dalame là, à ce que vous balayez ça pas tirer là du tout. Bon, et qui est parti en fait soit accorder importance avec ça, ou bien et que est-ce que c'est moyen qui parti permettre aux capables de répondre par rapport avec les deuxièmes transcrans qui étaient baillés 3 mois qui étaient là. Bon, de toute façon, il m'a rappelé que finalement, question en lui, tout le monde a été, après 11 jours devant quoi, qui, l'État a une responsabilité, il de moi, mais comme on dit, et ma chère était gonflée, et que nous pensons que nous-mêmes, tout, et bagaille ça, en fait, pas t'arrêter tout le monde, parce qu'il ne peut pas finir une sorte de répétition, et ma question c'est que l'énergie, et que nous pensons que nous-mêmes, au niveau syndicat, proposition que nous avons fait le ministère de l'Outre-là dernièrement, c'est que, c'est aller dans son conseil des ministres, et qui promet à ce que tout, quantité et dette et des agents dans la rue et dans la vidéo entre l'État et les institutions classiques ensemble avec les populations qui évaluent à plus de 15 milliards de gouttes là. Comme dans les institutions étatiques eux-mêmes, il y a environ 7 à 8 milliards de gouttes pour l'EDH. Ça va faire que l'État, son conseil des ministres, nous fait une proposition dans toute famille, une proposition qui nous fait à l'administration, qui dit que dégage un consensus qui va permettre que. Un, nous avons 1,5 milliard de milliards de gouttes par EDH, notre salaire est pour l'IA, ça va permettre EDH d'avoir une possibilité pour lui, et un, payer, et ensemble agir ça, employer, ça va presque qu'il t'a prêté, qu'il t'a permis de capable d'acheter matériel qui est nécessaire pour fonctionner. Et nous, on peut faire malheur, mais quand même, si, chez chaque 5, 6 mois, en fait, la gagne 2 mois, ça veut dire, où est-ce que toujours, malheur a toujours été pondé. Ça veut dire qu'il y a des malaises, ça veut dire qu'il y a des possibilités sur la BIA, qu'il n'y a pas jamais souhaité, pour aussi rapide que ça. Déjà, nous avons 67 mégawatts qui disponibles du côté 36 cap du côté et central libre et 29 du côté du power. Or, des possibilités, l'État même déjà, lui-même, a pris en disposition, lui-même a pris en disposition, déjà, il y a des questions qui fait depuis environ 2 mois et demi, d'après le ministère, une cause nouvelle qui nous recouvre, et qu'il y a un gaz plus que 100, c'est-à-dire à peu près 100 000 barils diesel qui sont disponibles pour un EDH. Et au niveau de l'EDH, c'est capable d'alimenter non seulement
département de l'Ouest pour capable de venir 50 mégawatts additionnels et ensuite pour alimenter plusieurs villes pour ceux qui connaissent un moment difficile entre un an et demi depuis pas jamais de courant du tout. Gage exécutif à Kaye et agent Ednerger qui dit saisit en arrestation magistrat Mont-Ruyen Élisée Blaise dans quatre dossiers assassinat maître André Chaléus ce mois avril passé pour Kounia association magistrat yo pour qu'on bail position officielle yo. Même s'il y a annoncé arrestation, ça a des gros conséquences. Ce mouvement a compté lancé 14 juillet qui a venu là pour demander à l'État pour résoudre phénomène de sécurité dans l'entrée d'un pays. En côté Jean Ednerger là pour plus de détails. Ma table est son confrère, son collègue. Donc, mon arrivement, c'est hier soir, bientôt ma exposition sur eux, pour m'informer qu'il y a arrêté lui. Donc, maintenant, si notre monde dans mon zone, je vais m'informer, je vais dire qu'on a réellement raison, mais je ne vais pas gagner, ça prend raison, c'est-à-dire, je ne vais pas dire, ni, je ne vais pas critiquer ou bien applaudir ça qui passe eux. C'est demain, moi-même, ma bête, rencontrer avec l'association de la DMO, pour nous fondre tout ça, pour nous rencontrer le juge d'institution. Après ces affaires-là, on vient bien fondé question qu'on c'est lui qui a mis l'information, je pense que la toile est sur lui, et puis, comme la loi Balandelle est pour lui faire enquête, parce qu'il y a fait la fête de tout pour que le compte à vous faire, mais en tout cas, moi, ma fête de ma beaucoup de magistrats, vous allez défendre, pour nous connaître une carte critique, Julien, mais qui n'a qu'une carte à vous dire, Julien. Comme maintenant, il est fâcheux, il a dit que, là, c'est un arrêt de magistrat, donc, population, ça, c'est lui, il n'y a pas de bonne humeur. Donc, il était bouché le doigt hier soir. Donc, il y a qu'à faire là, il y a que la population pas content. Les gens ont posé la réalisation. Et ils ont vraiment changé sur le fait que Maïssa Blaise était un élément, un acteur, qui a mobilisé pour nous faire tout le monde à Kaye par les cabarets. Donc, ils font mal, malheureusement, qu'on y a avec ce style-là. Si pas avant d'être arrivé par les gens libérés, avec des mouvements sur Abdapé, Dion Zel, ça veut dire que ça veut dire que si avant, je vois, Maïssa Blaise arrive dans Paris dans libéré, Maïssa Blaise, c'est un grand acteur qui a mobilisé à ce que nous améliorer. Donc, ma étude de mobilité, donc on a un coup de main là-dedans pour améliorer ça, parce que moi-même, j'ai l'état à travailler pour faire ce qui est authentique, et moi-même, pour me garder, mais authentique, malgré qu'on a un lieu de soi, depuis 3 jours là, moi, autant commencer par les partages, nous commençons à circuler. Il y a ancien député Jean-Tolbert Alexis qui démentit information qui fait quoi chef gouvernement a demandé pour retirer circulation haïtien. Il y a un secteur qui a été mal interprété intervention premier ministre là. En côté Jean-Tolbert Alexis pour plus de détails. J'apporte un démenti formel. Le premier ministre n'a jamais demandé d'exclure Haïti dans le cadre de la libre circulation des personnes au CARICOM. Ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a un ensemble de professionnels tant que les infirmières, tant que des mounes, des cas de travail, tout ensemble de tous ces professionnels qui ont droit, incluant des haïtiens, qui ont accès, pour être capable de faire libre circulation dans CARICOM. Parce que c'est des. D'ailleurs, j'ai lu moi-même l'article de Jamaïca Glenner, il n'a jamais été question de cela. Et justement, parce que mal interprété les propos, on a sorti justement de leur contexte, les propos du Premier ministre Ariel Henry, justement, qui est justement constaté que Haïti pas et permettre que Haïti rentre dans les spéculations. Donc, nous avons un ensemble de socioprofessionnels haïtiens qui sont dans le CARICOM là, qui sont dans le CARICOM, incluant des officiels et des mounes en Haïti qui gagnent justement passeport diplomatique ou passeport officiel, tout le monde est capable de circuler librement. Donc, nous pensons qu'on a sorti de leur contexte les propos du Premier ministre Ariel Henry et voulant faire croire qu'il s'est opposé. C'est comique comment il allait s'opposer à ce qui est de droit. Donc, nous pensons que justement, on voulait rétablir la vérité dans le cadre de cette affaire. Oui, justement, le Premier ministre a toujours vertué, parce que pas oublier, dans l'ensemble de notre pays, en République dominicaine par exemple, il y a un secrétaire d'État d'intégration régionale. Ici, dans Haïti, il y a un traité de convention, accord qui s'y est,
mais dans le cadre d'implémentation, par exemple, on prend un pays comme nous, on prend surtout le pays qui gagne des secrétaires d'État à l'intégration régionale. Fin de traité européen et instabilité politique fait que nous changeons de gouvernement, changer de gouvernement, changer et nous sommes responsables d'État et intégration européenne, par exemple, et nous avons ensemble de temps qui accumulé. Donc c'est que le premier ministre, d'ailleurs, il fait non pas un paquet de sortes, il fait un voyage, c'est ça la charge fait, pour qu'il meilleure façon il est capable d'implémenter justement tout accord d'intégration régionaux que nous signons, pas seulement Caricom, mais un paquet de l'autre, et tout instrument international qui a été ratifié, faut qu'on gagne un secrétariat permanent qui l'a, qui doit relever du ministère des Affaires étrangères, qui est capable d'implémenter. Parce qu'on va signer, on va ratifier, et puis il y a été dans les tiroirs. Donc, on pense que le premier ministre a lié justement libre le voyage pour côté nous camper, qui côté processus à nous reprendre, et puis pour nous capables de faire. Et intégration régionale. Là, donc, le ministère de l'Henri travaille en pile dans ce sens-là. Il y a gouvernement canadien et haïtien qui signe jeudi 13 juillet un protocole d'entente pour renforcer micro, petit avec moyen entreprise. C'est ministre de planification et coopération externe, Ricard Pierre, et chargé d'affaires à chef coopération, Tina Goutsi, qui a signé un document ça pour deux gouvernements. L'ambassade Canada en Haïti qui a annoncé nouvelle là sous contrôle de l'I, préciser que projet ça a contribué également pour réduire pauvreté entreprise yo, femme yo a dirigeant d'un pays. Projet ça selon mission diplomatique là a coûté 5 millions de dollars et a implanté par développement international des jardins. Depuis 29 juin, Joseph Amos Morilus, pas directeur adjoint douane Port-au-Prince encore, li révoqué dans fonction pour trafic influence avec violation article 188 à 199 décret 2005 sous statut général fonctionnaire d'après sa direction générale douane annoncé dans lettre révocation qui date 29 juin 2023. Direction générale douane a annoncé via une correspondance qui date 29 juin 2023 révocation directeur adjoint douane Port-au-Prince Joseph Amos Morilus. Les responsables ont été soulignés dans le cadre d'un dossier corruption. Selon un correspondant, ça, M. Morilus a révoqué la fonction liée après le fin violé article 188 à 199 décret 2005 là, sous statut général fonctionnaire. Il a autorisé une livraison conteneur sans aucune vérification et puis sans bordro dans le terminal CPS avec la FITO. Gen magistrat Bernard Saint-Ville qui a retourné dans tête tribunal premier instance Port-au-Prince selon correspondance qui vient viral sur réseaux sociaux par côté authenticité à TV. Pendant conseil ministre gouvernement nommé magistrat Bernard Saint-Ville comme doyen tribunal premier instance à Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville remplacé monsieur Chavan Etienne qui était occupé pour ça par intérim. Par décision conseil ministre qui réunit sous la présidence premier ministre citoyen Bernard Saint-Ville nommé juge et puis doyen un tribunal à première instance à Port-au-Prince qui fait dans palais national dans Port-au-Prince 30 juin 2023. C'est ça n'est capable dans document ça maître Bernard Saint-Ville qui était posté après fin mandat ça gain quelques semaines il était certifié par conseil supérieur pouvoir judiciaire là li a bien pour installer. Après ONU, États-Unis, Canada, Union européenne capable d'adopter propre régime sanction li contre plusieurs personnalités élites haïtiennes. Information vini bon côté Union ambassadeur Union européenne nan Port-au-Prince Stefano Gatto. Nous a automatiquement adopté sanction onusienne yo, li visé pour moment yon seul monde. Panel expert yo a pour formuler conclusion yo à partir mois septembre k'ap vini là. Automatiquement moun ki a gen pour sanctionner par Nations Unies yo même tout nous même tout n'a sanctionné yo. Au-delà de processus ça n'a discuté sous l'autre forme de sanction tout dans conseil européen gen proposition pour que nous capable adopter propre sanction européenne nous mais pourquoi gen décision qui prend sous ça gen plusieurs éléments pour nous prendre en compte il est pas forcément sous même monde qui était sanctionné par États-Unis Canada ou République Dominicaine c'est à un choix autonome d'après Stefano Gatto qui t'a bail plus détails toutefois en poko officiel puisque aucune décision pour prendre sur question étant donné que tout pays Union européenne poko sous même longueur d'onde par rapport avec question ça
opinion yo partagé entre un groupe de pays qui m'a dit pour tonne et puis un autre qui m'a dit qui dit y a suivre et puis un autre groupe qui opté qui fait choix pour que un régime autonome Union européenne n'a pas pour discuter d'ici fin été à ou bien dans début automne d'après diplomate là depuis fin l'année 2022 pays tako États-Unis Canada a distribué sanctions contre personnalité élite haïtienne qui t'a gagné habitude financer gang ou bien ta nan tete lang avec gang. C'est peut-être ça pour essayer de limiter violence à gang et puis favoriser un retour à clapé puis sérénité. Diplomate la dit flou sous effet sanction yo. Personnellement, dans l'année, dans fin année 2022, moi t'es favorable avec adoption sanction yo. Mais qu'on est là, moi un peu à l'écoute pour moi comment ça passe. Parce que moi pas tellement clair sous effet sanction yo. Merci Sévère. La santé c'est richesse, c'est important pour que ou fait sport chaque matin et non seulement ça tout ou toujours boyon verre de l'eau tiède les que ou lever. Non ça qui gagne awe ensemble avec dossier sport, n'a fait place ensemble avec Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la rubrique sportive là ensemble avec Jonathan Charles et même qui a présenté nous li. Actualité sur le plan local, n'a commencé ensemble avec ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique qui remettent un chèque 20 millions gouttes by Fédération haïtienne football là. C'est monsieur Tolbert Alexis qui est chef cabinet ministre Raymond Rival qui remettre chèque ça by Patrick Massena lui-même qui est coordonnateur bureau fédéral dans Fédération haïtienne football là. Selon un communiqué Fédération Amiti de yo, l'agence a support l'état bail sélection nationale messieurs yo pour participation dans Gold Cup là. Grenadine nous connaît qui était éliminé au stade des premiers tours comme ça tout a gagné pour supporter tout sélection nationale féminine là cap gagné pour participer dans Coupe du monde mesdames yo cap fête dans continent océanien précisément dans deux pays ça yo l'Australie ensemble avec la Nouvelle-Zélande sorti 20 juillet pour arriver 20 août. N'a toujours parlé sur le plan local avec dossier football transfert. Très bonne nouvelle pour l'équipe Violette Athletic Club là qui est Fernando Cicero, monsieur qui signe dans l'équipe Huntsville City Football Club là, un club dans pays tout ensemble, défenseur haïtien pour évoluer dans Major League Soccer qui a la saison prochaine. N'a quitté dossier sur le plan local, n'a pas les affaires football qu'on y a dans page internationale avec la Gold Cup demi-finale qui était joué et nous capable dit hier et mercredi 12 juillet et même pour arriver et pour 13 juillet dans la nuit sorti 12 pour arriver 13 juillet dans premier demi-finale là qui était joué dans Snapdragon Stadium là un stade qui a occupé 35 000 monde les dans ville San Diego qui dans état Californie après prolongation les États-Unis fait 1-1 avec Panama buteur c'est défenseur 25 ans Ivan Alejandro Anderson Hernandez trouve score là dans 99e minute de jeu. C'est premier goal line dans compétition wa, c'est premier match li tout et dans fin premier temps prolongation gagné Americano Colombien 22 ans Jesus Ferreira qui était égal ici dans 105e minute de jeu déjà c'est 7e goal monsieur dans 5 matchs li gete joué dans Gold Cup la match là t'est arrivé dans science shoot penal et c'est là deux équipes yon même yotal départager yo Panama imposé 6 tirs au but à 5 n'ap si ali le meilleur buteur de compétition Jesus Ferreira monsieur t'est raté un penal Panama qualifié pour finale deuxième demi-finale là dans Allegiant Stadium là gagné en Mexique qui crasé sélection jamaïcaine 3-0 buteur yo gagne attaquant 30 ans Henry Martin qui trouve score là bien bonheur depuis la deuxième minute de jeu. C'est deuxième goal Michel en compétition 1. Deuxième goal là, c'est mi-temps terrain 27 ans, on a parlé de Luis Chavez. Puis était doublé mise là dans 30e minute de jeu. Te permettre ensemble avec Mexique mener 2-0 à la mi-temps. Et troisième goal là, c'est en toute fin de partie avec attaquant 24 ans Roberto Alvarado. Dans 90 plus 3, tu fait 3-0. Et Noël à Mexique qui crase Jamaïque et qualifié pour finale. Coup d'arrêt pour les Reggae Boys qui c'était seul représentant les Caraïbes là dans le Gold Cup là. Final là c'est pour le Mexique vs Panama. Nous parlons parler qu'on y a football européen avec transfert des clubs européens qui continuent à chercher renforcer effectifs cette saison qui là. Et en pays la France, il y a un jeune milieu de terrain Benfica, Thierry Hendou,
Monsieur gen 18 ans qui rejoint officiellement équipe Paris Saint-Germain et nous signons un contrat 5 l'année cap bout en 2028. Je vais arriver gratis dans le club capital la France dans côté libre porter numéro 27 numéro que Javier Pastore était porter l'elle tape jouer dans Paris Saint-Germain. Donc je ça qui concerne équipe Paris Saint-Germain dirigeant va chercher là un attaquant qui pour mener équipe là d'après information en média espagnol là on a parlé de Mundo Deportivo. Paris Saint-Germain commence à négocier avec entourage Dusan Vlahovic attaquant serbe c'est une piste Paris Saint-Germain pour venir renforcer attaque là toujours selon le journal là Juventus pas compter sur joueur il y a encore avec un salaire 7 millions d'euros je acquis trop lourd pour budget club là. Toujours information transfert d'après journal et True Martino un club parisien et Paris Saint-Germain gagne un petit papier attaquant napoléon a parlé de Victor Osimhen selon True Martino Paris Saint-Germain déjà fait un offre 110 millions d'euros pour attaquant nigérian une somme qui aurait 200 millions d'euros dirigeant napoléon mandé Paris Saint-Germain déjà pour offrir un salaire 12 millions d'euros by Osimhen clan italien très calme sous dossier ça et croit que Victor Osimhen a prêté Napoli la saison prochaine n'a quitté la France n'a toujours parlé de ses français mais nous parlons qu'il y a en Angleterre avec attaquant anglais Harry Edward Kane, monsieur qui recommence à prendre entraînement avec l'équipe Tottenham Hotspur depuis hier mercredi. Monsieur lui-même qui a fait un choix là sur l'avenir, d'après Florian Plettenberg de Sky Sport, Harry Kane indiqué que il voulait rejoindre l'équipe Barcelone. Selon le journaliste, le capitaine de sélection anglaise là, a déjà joint un accord avec le club allemand. Tottenham beaucoup de parle qui a fait tout ça possible pour le Québec. D'après information Daily Telegraph Football, Spurs joue Paris là pour bail Harry Kane un salaire qui estimé à 25 millions d'euros par saison pour le carité dans l'équipe là. Fait un ça qui est très loin pour arriver dans fin li. L'autre nouvelle encore qui concerne les transferts en Espagne, c'est officiel Football Club Barcelone signe attaquant brésilien Vitor Roque pour 30 millions d'euros avec 30 millions d'euros salaire bonus. Vitor Roque, il a 18 ans, il a joué dans le pays Brésil, dans le club Atlético Paranaense. Côté, il a marqué 15 goals et offre 6 passes goals dans 30 matchs saison passée. Il a signé un contrat sorti 2024 pour 2031 à club catalan. Clause libératoire, c'est 500 millions d'euros. La financement avec un dossier tennis, ça qui concerne Naomi Osaka. D'après un magazine américain People, Naomi Osaka, ancienne numéro 1 mondial, a accouché en Tifi. Média précisé que Timon a fait dans la ville de Los Angeles. Joueuse japonaise là qui a 25 ans, qui est originaire d'Haïti. Il était annoncé dans le mois de janvier qu'il était enceinte. Il était révélé en commencement mois juin qu'il est atteint notifié avec rappeur américain Corey. C'est ensemble avec Denis Fosseur, on a mis fin dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles, t'as présenté nous. Merci Jonathan. Moi je vous remercie parce que t'as suivi avec attention. Merci parce que t'as toujours été connecté ensemble avec TAC 509. Non pas M. Foucault. N'a pas croisé dans une autre vidéo à 7h. Bisous, one love. Déjà bon la journée et bon week-end. Mwah. One love.